Order! No. Oh God. Yeah. Your spirit can guide us being us as we work for the benefit of all our people, for just peace and justice in our land, and for the constant recognition of the dignity and aspirations of those we serve. Amen. Colleagues, before we begin, avant de commencer, je vais envoyer ma condoléance à la famille Kimball et Tigachik pour le décès de aîné Thomas Kendall hier. Nos pensées, nos prières sont avec la famille et la communauté à ce moment. Quels sont les ministres? Le ministre responsable pour la commission des essais de travail. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux donner mise à jour certains des services et améliorations, y compris des mesures d'aide financière pour la commission des accidents de travail qui ont été étudiées durant la pandémie COVID-19. Lorsque la pandémie a frappé, la commission des travail a répondu rapidement pour adapter ses opérations en ligne avec les lignes directrices de santé publique. Tous les employés Elwitt et Calouette ont été équipés rapidement avec les technologies nécessaires pour travailler de chez eux et faire une transition de retour au bureau une fois que les mesures appropriées étaient en place. Depuis le mois de mars 2020, la commission des essais de travail a réussi à maintenir des services à 4 000 employeurs et presque 40 000 travailleurs et sans interruption significative. C'était une réussite. Une des façons que la commission de gestion de travail continue d'assurer que le contenu des affaires et rehausser les services de première ligne pour les employeurs et les travailleurs blessés, offrir des alternatives virtuelles en ligne avant la pandémie. Le travail est déjà en cours pour épanouir les options en ligne telles que l'explication et surveillance des mines et les services offerts à travers la commissaire. Cependant, on ne pouvait pas nier que les défis placés causés par COVID-19 a accéléré l'adaptation de certaines plateformes numériques et a transformé les entreprises pour assurer la nécessité. La Commission de travail a pris une approche flexible et adaptive. Les commerçants travaillent avec les fournisseurs de services et les fournisseurs de soins de santé pour enlever des obstacles pratiques pour donner des plans de soins de santé virtuels et dans certains cas, les agents de service offrent des rendez-vous médicaux et par voie de physiothérapie et fait suite aux besoins et dans la version de réadaptation professionnelle. Ces améliorations sont au début de, et sont encore modestes. Utilement vont offrir des services pour les travailleurs blessés et leurs familles, une réduction rapide pour les employeurs et une réduction pour les coûts de réclamation. C'est besoin. La commission des accidents de travail et un rayonnement éducationnel, les inspections sont des parties importantes pour assurer la santé et la sécurité des lieux de travail à travers les territoires. En 2020, la commission du travail a adapté sa sécurité personnelle pour 2760 employeurs aux moyens alternatifs tels que téléphone ou en ligne. Les outils d'éducation et de la direction ont été développés et déployés pour les industries utilisées sur des webinaires et des réunions Zoom qui remplacent l'événement annuel avec l'organisation partenariale professionnelle. L'inspection pour l'imputabilité pour les employeurs rencontre l'obligation légale sur la loi sur la sécurité et le règlement pour la sécurité au bureau au travail.
et la loi sur la sécurité, la santé minière, l'engagement réellement donne aux employeurs l'accès à des directions et des meilleures pratiques exemplaires pour qu'ils puissent créer et maintenir des plans de sécurité très forts. Et aussi assurer que la Commission reste responsable aux défis auxquels ils font face. La Commission continue à faire des améliorations sur les services électroniques plus établis tels que WSSC Connect, un nouveau service pour les employeurs qui font un rapport pour les incidents de sécurité dans le lieu de travail ou des blessures a été récemment lancé sur la plateforme. Le rapport des employeurs pour les incidents se joint à d'autres services d'État, tels que le rapport des masses salariales, des paiements, des taux d'évaluation, les informations, les demandes de clarifier les choses. Les employeurs durant la pandémie ont eu l'occasion de se mettre de nouvelles estimations des masses salariales en ligne et de payer sans pénalité à une date ultérieure. C'est un sujet beaucoup d'entreprises. La Commission du travail a annoncé le mois de novembre passé que le taux moyen pour l'évaluation des employeurs sera maintenu au niveau de 2020. On a déjà reçu des avis sur leur taux d'évaluation de leur industrie. That the average rate is le taux moyen tient toujours à 2,40 sous par 100 $ de masse salariale évaluatif. C'est une bonne nouvelle de temps d'incertitude économique pour tant de personnes. La Commission du travail est toujours engagée à rendre les milieux de travail dans le Nord les plus sécuritaires au pays pour livrer des soins aux travailleurs blessés, pour travailler en coopération avec le bureau de médecin-chef, pour réduire le risque d'être exposé à la transmission de COVID-19 dans les milieux de travail, et fournir des soutiens aux pratiques aux employeurs des entreprises locales pour fonctionner en sécurité. Merci, M. le Président. Minister responsible for health and social services. Thank you, Mr. Speaker. Merci. Cette assemblée législative a identifié, augmenté le nombre des programmes respectueux de la culture, de la santé mentale et des dépendances, comprenant le suivi de soins pour ses priorités. Notre ministère va améliorer les services aux individus avec les dépendances et je suis engagée à atteindre cet engagement de notre mandat. Dans les TNO, la santé mentale et les dépendances, c'est une inquiétude d'urgence pour nous tous. Il y a des soutiens, des services en place et disponibles. Nous savons qu'on a besoin de renforcer notre système pour aider ceux en difficulté. C'est surtout vrai à propos des soutiens de rétablissement des dépendances. Notre but est d'assurer des services de rétablissement de dépendance de qualité qui vont rencontrer les besoins de nos résidents, mais pour mieux comprendre leurs besoins, il faut entendre de leur voix. Nous allons entendre les expériences des individus et les expériences d'eux ou de membres de leur famille et pour leur approche. Le GTNO sait qu'il n'y a pas une façon de voir ce problème et il faut que les résidents aient des options vers le rétablissement. Notre première étape sera de recueillir l'information et de mieux comprendre leurs besoins. Alors, nous ferons un sondage pour le rétablissement des dépendances et qui sera concentré sur entendre les personnes à propos de nos programmes et des services. Et on veut savoir qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que les résidents pensent qu'ils ont besoin pour soutenir leur établissement. Le GTNO va demander aux partenaires
et aussi aux fournisseurs de services pour leur soutien, de partager le sondage avec les clients et de trouver les médias traditionnels et les médias sociaux pour sensibiliser. Il y a aussi des copies papier du sondage pour ceux qui n'ont pas accès à la version en ligne à leur, au bureau local de leur communauté. Alors, le sondage va commencer le 15 février. Alors, un élément clé de ce sondage va être de se concentrer sur les obstacles, les défis que les personnes ont eu comme expérience. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce qui empêche le rétablissement et comment nous pouvons le surmonter. Il faut comprendre qu'est-ce qui travaille fait le mieux pour soutenir le rétablissement. Ce sondage est essentiel pour comprendre et ce sera suivi par d'autres efforts plus concentrés et on pourra plonger plus profondément dans les expériences vécues et ainsi façonner nos plans de l'avenir. Le GTNO aussi va de l'avant pour développer une stratégie sur l'alcool. L'intention de cette stratégie sera de réduire les dommages causés par l'alcool. Les dommages causés par l'alcool, c'est une gamme de séquelles associées avec l'utilisation de l'alcool, comprenant des problèmes de santé chronique, des blessures, de la violence, un manque de productivité, des enjeux de justice, des problèmes de famille et même des décès. Le développement de la stratégie d'alcool sera fait par une rétroaction des parties prenantes et aussi par une équipe de professionnels qui comprend le rayonnement et l'engagement. La médecine de rétablissement de dépendance et de traitement et inclura aussi les représentants des différents ministères du GTNO, d'évaluation et de surveillance des experts pour assurer des résultats mesurables. J'ai hâte de lire les rétroactions reçues des résidents et des utilisateurs de nos services sur l'efficacité des soutiens de rétablissement des dépendances que nous donnons. Le GTNO demande d'assurer des services offerts vous allez rencontrer notre engagement pour nos choix de sécurité culturelle et centré sur la personne. Ces éléments sont essentiellement importants pour l'efficacité des services et j'ai hâte de partager les résultats de ce sondage avec les personnes de la Chambre ici et c'est une façon de remplir notre engagement de notre mandat pour aider les résidents avec les rétablissements des dépendances. Merci. Madame la Première ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président, j'ai décidé d'informer la Chambre que l'honorable Diane Archie sera absente de la Chambre pour passer un appel de téléconférence avec les ministres de Transport, Paris, Fédéral, Provincial et Territoire, et aussi pour la sécurité sur les autoroutes. Agent des ministres, agent des députés. The deputy to hear yourself. Thank you, Mr. Speaker. Merci, M. le Président. M. le Gouverneur a promis le changement. Avant d'être élu, j'ai entendu l'histoire des plaintes des gens qui travaillent au sein du gouvernement, qui met en forment des milieux de travail toxiques, puisque harcèlement, des insultes, c'est très commun, soit par les gestionnaires ou par les collègues. En tant que député, j'attends la même chose. Et maintenant, je suis capable d'adresser ça et faire quelque chose. Monsieur le Président, les employés à tous les niveaux de ce gouvernement méritent d'être traités avec respect, non seulement par la gestion, mais aussi par leurs collègues. Chaque employé apporte certaines compétences et des connaissances qui doivent être reconnues et appréciées. Beaucoup de ces employés, c'est des jeunes personnes qui commencent à bâtir leur carrière. Ils devraient être mis en position, ils ont peur de venir au travail ou de parler ou d'être traités de façon inappropriée ou d'être intimidés par la gestion ou autrui.
Nous sommes tous que chaque personne en parlant de connaissance, de l'expérience, un poste peut aussi apporter une arrogance qui peut causer un milieu toxique parce qu'en abusant le pouvoir, ce gouvernement en place une politique, un milieu de travail sans harcèlement et respectueux. Tant que député, nous adorons ce chef de ministre et leurs sous-ministres sont tenus imputables pour la mise en œuvre de cette politique. J'avais aussi besoin d'un endroit pour faire un rapport à la semaine. Ils n'ont peut-être pas les ressources pour faire un rapport à la semaine. Ils n'ont peut-être pas les ressources financières pour adresser ça. Le gouvernement a l'argent, les poches profondes pour adresser les questions d'harcèlement. C'est lorsque l'équité devient prenante en question. C'est une question de traiter les êtres humains avec respect. Nous, en tant que députés, on doit se dire que ce gouvernement est tenu imputable. On s'attend à ce que les ministères tiennent de gestion imputable soient fortement employés pour faire cela. Il incombe tous et chacun de mener par exemple. Merci, M. le Président. Member for Haver South. Député Haver South. Member for Frame Lake. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. On aime détester les déductions d'impôts pour les nationaux. À chaque année, je répète toujours, c'est pas notre ministre des Finances, mais ça prend l'intervention dans notre ministre des Finances de corriger ça. Nous savons les problèmes ridicules avec la déduction des nationaux. Ils ne sont pas indexés. Ça prend des efforts monumentaux pour ajuster les montants. Les gens sont assujettis trop souvent à des vérifications clandestines. Et le Revenu Canada peut avoir accepté le taux d'aviation le plus bas, plutôt qu'il y ait un taux acceptable. En avril de 2028, les gens de Trois-Nord ont été vérifiés trois fois plus souvent que les contribuables au Sud. Le ministre fédéral, à l'époque, pour le revenu national, a promis de faire enquête. Le 18 août, le Revenu Canada ouvrait des bureaux dans les trois capitales des territoires. C'est que ça a amélioré le problème fondamental avec la déduction des résidents du Nord. Le ministre fédéral a ouvert, on peut dire, une consultation sur le plus bas taux d'avion pour la déduction des résidents du Nord. Ils sont en place dans le gouvernement depuis 1987. Les gens se plaignent depuis ce temps-là. La constatation qui a été proposée, le contrôleur devait déterminer un montant raisonnable pour l'avion le moins cher disponible le jour du voyagement. Donc, un contribuable devait obtenir le montant des frais de transport aérien du site Web le jour menant un voyage. Ça marche peut-être si vous avez accès à l'Internet. Et l'Internet fonctionne lorsque vous en avez besoin. La constatation sur les frais de transport aérien du 17 avril, c'est silencieux depuis ce temps-là, on n'en parle pas. Aucun rapport, aucun changement au règlement, aucun politique. La question du ministre des Finances pour voir s'il y a eu du progrès à corriger ces problèmes chroniques pour l'éduction des impôts des résidents du Nord. Les députés. Député de Great Slave. Mr. Speaker, yesterday marked the United Nations. Yeah, c'est le jour international des femmes et filles en sciences. Je ne sais pas pour faire ma déclaration pour les députés du jour-là. On devait se concentrer sur ce sujet qu'on s'est décidé à parler aujourd'hui. Ma carrière avant les politiques, j'étais ingénieur. Une de mes passions dans la vie, c'est avancer les opportunités pour les femmes et les personnes non-binaires dans le domaine des sciences, technologies, génie et mathématiques, ou ce qu'on fait STEM en anglais. On constate les statistiques que seulement 13% des ingénieurs au Canada s'identifient comme étant des femmes. C'est ce qui va vraiment affecter les femmes, notamment par les ECF. Seulement 5 à 7% des gens de métier s'identifient comme femmes. Non, ce n'est pas la faute du ministre pour cette statistique très déprimante. Il faut que je continue à la chaler
pour celui qui adresse ces questions. Les femmes font des choses incroyables dans le domaine scientifique. Pourquoi on fait ça en s'enseignant eux-mêmes? Parce que c'est un avantage pour s'éduquer l'expérience. On semblait insurmontable. Des femmes ont apporté la Lune. Ils ont photographié l'ADN pour la première fois. Ils ont découvert des nouvelles éléments. C'est le même nouveau. Nous avons eu deux prix Nobel de sciences. On fait ça il y a 100 ans. Une femme qui a douté et a fait face au sexisme de la société moderne, on n'a jamais été si bon que ça. Je peux imaginer comment elle se sentait assez différente, qu'elle ne croyait même pas, elle ne devait même pas apprendre à lire. Là, je regarde tout le territoire, là, ce que je pense, les femmes et filles autochtones manquantes et assassinées. Je pense dans ma propre vie, je sais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Le voyage devant nous, on parle pas où est-ce qu'un jour est nécessaire de quoi que ce soit pour les femmes, ce n'est plus nécessaire. Mais je m'engage à continuer à suivre ce parcours, utiliser tous les outils que j'ai pour atteindre ce, arriver à ce jour. Et je vais essayer de jouer ce rôle pour toutes les filles qui vont me suivre. Thank you, member for Great Slave. Merci. Déclaration des députés de Nanapote. Merci. Les résidents de Tuktoyaktut qui travaillent à Reindeer Point, c'est une communauté, sont sous-financés et ils ont besoin de chaque dollar. Et le service d'autobus, c'est 67 000 $ par année pour l'autobus. Et notre gouvernement avait promis d'avoir les fonds pour cet autobus, Monsieur le Président. Alors le ministre avant, mais maintenant couramment, il vaut un plan de développement, mais c'est pas assez. Il y avait une décision du gouvernement pour rétablir Reindeer Point comme un hameau et ils se sont engagés à ce moment-là pour fonder, pour financer le service d'autobus. Alors, ils veulent des petites communautés qui doivent... j'aurai des questions pour demander du financement et soutenir le service d'autobus pour Reindeer Point. Merci. Personne députée. Députée de Inuvik Twin Lakes. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais discuter le programme des étudiants d'été et le programme d'affirmation active. Mais ces emplois-là sont très importants et l'expérience valable qui vont les aider quand ils vont compléter leurs études. Moi-même, j'ai déjà utilisé le programme pour engager. Il faut faire une application et aussi la gestionnaire reçoit la liste des étudiants qui ont fait application. Et on leur demande premier, deuxième choix, et P1, P2 ou P3. Et alors, la gestion regarde toute la liste et le nom et reçoivent les CV. Après, c'est l'étape des entrevues et les ressources humaines ne sont plus utilisées. Je vais aller plus lentement. Il n'y avait pas de mécanisme en place pour assurer pour les politiques d'affirmation, d'action. Alors, les entrevues, alors souvent, c'est... il y a eu des cas qu'il y avait un étudiant de niveau P3 qui a eu un emploi de P1. Alors, il faut des mécanismes en place pour qu'il y ait une discrimination positive. J'aurai des questions pour la ministre de Finances. Merci. 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 Déclaration de député. Député, il y en a qui ont eu. Très content, c'est une longue fin de semaine. Je suis tellement content que c'est vendredi et lundi, c'est la journée de la famille. Oh, je pensais pour un instant que nous étions en Alberta, en Colombie-Britannique, ou peut-être même en Ontario, même la Saskatchewan, ou même en Nouveau-Brunswick. On n'est pas. Nous sommes dans les TNO.
on the poudre de fête, c'était une fête fédée. Enfin, après une nouvelle année, il faut attendre 3 mois pour la prochaine fête. Moi, c'est que ce soit la journée de famille. Et ce soir, la journée de ceux qui vivent sur l'île. Et on va fêter la journée de l'eau. Dès qu'on peut avoir la journée des aînés ou même la journée des ténors, moi, je m'en fous. Je comprends que Yukon fête la journée du patrimoine le 26. Et je vais prendre la journée de Saint-Patrick au mois de mars. C'est assez bon pour Terre-Neuve, c'est bon pour nous. C'est une année très longue. Février, c'était un mois très difficile pour nous tous. Et avec le taux de suicide depuis le 8 mois ici, je crois que nous devons donner une pause à nos travailleurs. Alors, une pause d'école. On a des journées de maladie aujourd'hui. Les parents doivent trouver des frais de garderie pour travailler. Pas une seule morceau de législation devant nous cette séance. On n'a rien à faire. Je pense pas que chose plus acceptable au niveau politique de créer une fête fériée pour la journée de la famille. C'est une question du ministre de la Justice ou le ministre des congés pour voir si nous, on peut avoir une journée de la famille. Merci, député Yonav North, déclaration du député. Député Tabatcha. Merci. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais utiliser ma déclaration aujourd'hui pour remercier et mon appréciation pour tous les résidents de Fort Smith. Spécifiquement, et surtout les travailleurs des secteurs publics et privés et tous ceux qui, les entrepreneurs, comme l'épicerie Kaiser's, Fort Smith Construction, Petro-Canada, Tim Hortons, et la Banque de Montréal, et TDC, et Pizza, et Anna's Home Cooking. Merci. Ça a été une année difficile, comme on navigue dans cette pandémie. Alors, je voulais juste remercier mes résidents pour leur force, leur détermination et leur résilience. Et qu'ils ont démontré depuis mars dernier. Je veux les remercier aussi pour mon soutien comme député de Tabatcha. Comme j'ai déjà dit, c'est un honneur de représenter Fort Smith dans cette Assemblée et je vais continuer à les servir et leurs intérêts pour cette communauté extraordinaire d'où je viens. Dernièrement, je veux encore une fois merci au personnel ici de la législature et merci de mes aides, Pascalie et Priscilla. Ce sont de grandes travailleuses. Et j'espère que mes collègues aussi qu'ils aient une bonne semaine relaxante à venir. Et merci au président qui est très patient. Bonne Saint-Valentin à tous et j'espère que tout le monde a une bonne semaine. Monsieur le député de Tabatcha. Question du député. Député de Camlake. Je remercie l'information de parler de l'histoire des grilles. Ça représente l'expérience pour beaucoup de résidences. La recherche des grilles pour avoir de l'aide du gouvernement démontre les lacunes dans le système. Le modèle de livraison ne sert pas les clients et coûte d'argent contraire. On sait beaucoup des grilles, mais d'autres abandonnent en désespoir. Je ne pouvais pas avoir l'aide. Il faut se concentrer sur aider les gens, les clients, avant que des gens comme les grilles ont le même problème. Sans dire selon le gouvernement du Canada, les budgets de 2007, environ 3 000 bébés sont nés avec des troubles de l'alcool, spectre de l'alcool fœtal. Le spectre de ça, c'est beaucoup plus élevé chez les Autochtones et dans les communautés rurales. Éloignés. On ne sait pas que le taux ici, nous savons, M. le Président, les traumatismes transgénérationnels, l'abus des substances, c'est très élevé dans nos territoires. Les complexes sur la cave, c'est beaucoup plus. Ça n'a pas une approche qui fait l'affaire de tout le monde. Certainement, il faut une gestion cas par cas. Il faut avoir des soins complets.
La communauté a toute une direction qui se concentre sur l'ensemble des troubles de l'alcool fœtal. Un travail dans des spécimens, des ressources d'éducation, des fréquentations de vie, des soirées de famille, des éducations de vie personnelle. Oui, des groupes qui vont attirer ses compétences, des groupes thérapeutiques, du counseling, d'appui pour les écoles et des renvois à d'autres services de soutien. Tiens-nous à une clinique des insectes pour l'ensemble des troubles à cause fœtale. Chef clinique a un employé. C'est loin d'être assez. Une fois qu'une personne a un diagnostic des ensembles des troubles de l'alcool spectrum, il n'y a aucun travailleur pour les appuyer. Ils ont toujours besoin de gestion des cas, de donner aux clients avec le soutien d'une personne, pour l'emploi, l'habitation, la vie et les compétences financières. Il faut aussi avoir des soutiens dans nos services de correction parce que les gens sont emprisonnés et après l'évaluation. Il faut aussi avoir d'habitation, de soutien pour les familles. J'aimerais avoir le jet d'un ordre de un plan détaillé pour le cadeau du seul futur. J'aurai la question pour la ministre plus tard. Member for Kamlik. Si. Déclaration de député. Député de Monfou. Merci. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Depuis la COVID, et ça fait plus d'un an maintenant, avec les lignes directrices du médecin en chef et le voyagement et déplacement ont été restreints depuis COVID, avec les ordonnances du médecin. Alors, mais il y a des consignes et des directrices des employés de première ligne. On ne pense que c'est pas bon. Alors, ce n'est pas juste pour... Je veux parler de cela. Alors, leur sacrifice et l'esprit communautaire et essayer d'empêcher que COVID ait des prises avec cet engagement. On est ici devant toutes les provinces et les territoires, comment nous sommes un succès. Mais c'est un grand prix à payer. Les familles ont été séparées. Il y avait des mariages qui ont été remis. Et même les funérailles, on ne pouvait pas les faire. Alors, dommage. Ce n'est pas tout le monde qui partage le fardeau. Il pense que c'est trop bas pour lui et d'une façon remarquée. Et il y a une bureaucratie de la COVID. Alors, il y en a qui restent à la maison, mais il y a des bureaucrates qui voyageaient à travers le territoire pour visiter la famille au lieu de donner un bon exemple pour le reste des résidents. Alors, qu'est-ce qui est plus triste encore? On a une première ministre qui excuse ces déplacements et dit que ce n'est pas nos affaires. Alors, même si les gens ne sont pas d'accord pour ces déplacements, alors je pense qu'un courage de morale et un exemple d'une première ministre. Monsieur le Président, alors, je soulève des questions à propos de sa transparence, de sa capacité avec des fonctionnaires, de l'argent public. Alors, j'aurai des questions pour Madame la Première ministre sur ce sujet. Merci. Monsieur le député. Une question orale. Pour le bienvenu au visiteur dans notre galerie. Réponse à l'adresse budgétaire. Non. Député de Bon. J'aimerais reconnaître les interprètes qui font un très bon travail. Oui, je sais que je parle vite, je m'excuse, mais spécifiquement,
Je veux reconnaître Jean Kazon, un de mes électeurs de Nehende. Elle est ici très revendicatrice pour Jati. Je veux l'accueillir ici à l'Assemblée. Merci. Merci. Reconnaissance des visiteurs. Réponse au discours du budget, député de Yellowknife Now. Monsieur le Président, je veux commencer à remercier la ministre sur la dette budgétaire de la semaine passée. Je veux aussi remercier tous mes collègues pour leur dédication et leur travail ardu au cours de la dernière année. Nous avons inscrit une réponse modèle de pandémie avec des vaccins qui sont en cours, sont en chemin. Notre cabinet, nos fonctionnaires peuvent être fiers. Suicide dans un désaccord, qu'est-ce qu'on peut voir dans une nouvelle dépense d'initiative? 1,7 million de dollars pour une coupure des impôts pour les entreprises qui nous met en ligne avec d'autres solutions et vraiment on en a besoin. 1,7 million de dollars pour 7 millions de dollars pour augmenter la capacité pour les services aux entreprises. 27 nouveaux postes de conseillers et une équipe de santé mentale qui va se déplacer pour les écoles publiques. Plus de financement pour épanouir notre capacité de santé, système de santé. Ce sont des soutiens qui vont vraiment aider les gens. Quelques initiatives, peut-être on peut s'en passer. Mais en général, les nouvelles dépenses sont en ligne avec le mandat du gouvernement. Mais mon responsabilité, ce n'est pas de louer le cabinet, mais de le tenir imputable pour les changements qu'ils ont promis. Il faut perdre de vue que ce budget est un document moral cher, donc nous passons 2 milliards de dollars chaque dollar pondéré contre l'autre. 45 000 dollars pour chaque personne d'étoile que nous fait confiance. C'est une des dépenses per capita les plus élevées au monde. Il n'y a aucune décision facile qui a fait ça. Il n'y a aucune façon de mesurer la valeur des infirmières comparée aux enseignants ou ceux qui ont suivi les chemins. Un système, nous ne votons pas pour les partis, on ne vote pas pour les partis, on ne vote pas pour les mandats ou le travail du ministère. Ce pouvoir reste avec notre premier ministre et notre cabinet exécutif. Mais enfin, nous votons sur les budgets. Nous n'avons peut-être pas des votes de confiance dans le gouvernement par consensus à décider si nous devions approuver un budget présenté par ce cabinet. C'est plus proche qu'on peut avoir de monter la confiance au gouvernement. Avant l'année finie, il faut voter ou non pour ce budget. Une simplicité très cruelle. Je crois, M. le Président, c'est facile de trouver de l'argent lorsqu'il y a une vision très claire. Lorsqu'on fait des coupures pour financer d'autres priorités, alors nous pouvons mettre ensemble ce qu'il faut faire pour nécessaire pour les priorités, pour aider les populations. Je ne crois pas que ce budget examine nos dépenses fondamentalement. Il y a une année et demie, lorsque Caroline a fait sa demande de premier ministre, elle a dit que notre économie est en difficulté. Il faut agir rapidement, il faut agir maintenant. Et je ne peux pas être en désaccord. Mais je n'ai pas encore vu un plan de 10 ans. Il en faut plus que jamais. Apparemment, le premier ministre et nous, on a des différentes interprétations des faits. Depuis, nous avons promis que nous allons renommer le ministère de tourisme et investissement, de renommer diversification et développement. Le ministère de l'environnement devait devenir l'environnement et changement climatique. Changer les noms signale un nouveau mandat, une direction pour tous ces ministères. On se dit que le ministère des Terres et le ministère des Macas seront amalgamés. Ce budget ne fait pas ça, ne fait rien. Et nos promesses violées. Je suis dans les luttes avec les terres qui n'ont moins de droits à Maca, qui n'ont moins de droits à ORN. Je crois que les CIOs sont devenus pires depuis que nous avons pris charge. Je ne voterai pas ce budget à moins que le premier ministre respecte ses promesses. Je vois un plan qui a de restriction de la société, des ministères. Je vois un plan économique qui respecte votre promesse, Monsieur le Président. Hein? Une autre prestation. Chaque fois qu'on change un nom, on se reste d'un ministère, on sauve de l'argent pour éviter la duplication. Pour l'heure actuelle, nous avons trop de gestionnaires et pas assez de personnel pour gérer. Je crois qu'il faut examiner notre ratio entre la gestion et le personnel pour trouver d'autres épargnes de coûts. Malgré ma frustration,
Je crois qu'il y a un parcours, une vision pour l'avenir. Je crois, Monsieur le Président, il faut revisiter nos priorités de nos mandats et arriver à un vrai consensus. Trouver consensus, c'est difficile. Mais, Monsieur le Président, je crois que cette Assemblée a un entente très clair que l'habitation, c'est une priorité et une vraie volonté pour adresser notre crise d'habitation. Lorsque je me suis présenté pour être député, je dois avouer, l'habitation, c'était pas ma priorité. Mais écoutez mes collègues, écoutez les difficultés des populations de TNO. Je crois qu'il faut faire plus pour l'habitation. De plus, Monsieur le Président, nous avons un premier ministre qui a devancé toute sa vie à essayer de revendiquer pour l'habitation, comme que le dit assez souvent. Je crois que c'est le legs approprié pour cette Assemblée. Peut-être qu'on peut en faire investir le montant d'argent nécessaire. Monsieur le Président, si nous sommes ambitieux, je crois qu'on peut couper notre taux d'itinérance à moitié, pas seulement accepter 25 unités par année. Monsieur le Président, durant le cours de cette pandémie, la notion que nous pouvons vraiment fonctionner de façon différente comme gouvernement, nous avons déplacé des milliers de fonctionnaires qui ont échoué. Les changements se sont faits en des jours et pas des mois. Nous avons fait plus de changements de règlement des années que je m'anticipe qu'on fait dans tout le mandat. Nous avons vu ce qu'un fonction publique motivé peut faire avec l'encouragement nécessaire. Et j'aimerais voir ça pour l'avenir de l'Assemblée. Mais nous reculons. Nous ne faisons plus ces promesses. Parce que nous avons adopté ce budget. 2000 employés à salaire limité vont voir leur salaire réduit de l'heure de l'heure à 13 46 de l'heure sans augmentation au salaire minimum. Cependant, son travailleur ne sont plus essentiels. Monsieur le Président, durant COVID-19, nous avons demandé à nos opérateurs de rester ouverts pour que le travail essentiel puisse continuer. Nous avons mentionné nos coûts. Nous avons vu comme les soins de garderie étaient essentiels, mais ce budget n'approche même pas adresser la question des manques de garderie qui devient de plus en plus dispendieux au pays. Encore moins mettre en place une garderie universelle. Nous avons ajouté 5 000 $. Mais c'est pour l'étude des enfants, mais c'est très peu, c'est rien. Pour vraiment appuyer les enfants de région, Monsieur le Président. De plus, le gouvernement a avoir plus de contrôle territoire. On ne peut pas se permettre des ruptures que nous faisons croire que nous allons accomplir. Le programme peut toujours être coupé, Monsieur le Président. Mais un contrôle de 30 ans pour P3 dit les générations à venir, c'est loin d'être la meilleure façon de financer. Monsieur le Président, notre structure actuelle écroule. Notre objectif, c'est de voir ça s'écrouler. Par qu'on en bâtit d'autres, le budget d'entretien n'est pas en lien avec la réalité et l'infrastructure de nos municipalités. Vous aurez beaucoup plus d'argent à maintenir ce que nous avons déjà comparé, à faire croire qu'on peut permettre de bâtir d'autres infrastructures. Pour ce gouvernement, demande nos priorités et notre mandat soit évalué compte tenu de l'événement mondial de toute la nuit. La réalité est triste. On ne peut pas se permettre les trois gros projets d'infrastructure, même pas un projet. J'aimerais bien qu'on puisse le faire, mais choisissons un projet, puis faisons-le au moins. Pour moi, l'autoroute de Ville McKenzie, c'est le plus changement. On le bâtit à chaque année, puis ça fond. Quand COVID, notre cabinet a une opportunité unique pour. Il faut changer le GTNO de façon qu'il fonctionne, de façon qu'il fonctionne, et avoir une fonction publique très agile. Mais beaucoup de cette opportunité a été gaspillée. Donc, on permet à nos fonctionnaires de travailler à distance pendant les semaines, plutôt de créer une politique pour le travail à la maison. On a été ça au premier critique. Je peux aussi ajouter que le travail à distance, ça veut dire moins de coûts de déplacement, de location de bureaux, essayer de prouver, améliorer la productivité. Il n'y a aucun argument là. Au lieu d'adresser le fait qu'une personne est capable de travailler dans son bureau, des heures dans une chaise, on n'a pas pris la chance de changer la fonction publique pour mesurer la productivité et le travail fait. Alors, le budget de base, on a manqué de changer. C'est celui qui avait été développé par un comité avec trop d'intérêts un contre l'autre et des
rubrique de mandat et ça n'a pas allé de l'avant assez vite. On essaie d'être des leaders en changement de climat et je pense qu'à un moment donné, on avait plus de personnes qui étaient des politiciens au lieu de travailleurs. Avec l'exception des Norman Wells, il y avait le risque du... Il y a un risque toutes les banques canadiennes, ils enlèvent dans leur portefeuille l'item du pétrole. Ils ne peuvent pas donner de l'argent dans les projets d'articles. On a fait progrès dans la Déclaration des Nations Unies. On n'a pas de mandat pour un groupe de travail. Alors, probablement que la moitié de l'argent va manquer parce qu'on va tout l'avoir donné. Alors, on n'a pas de législation importante, rien. On va s'asseoir ici pour 2 mois et on n'aura pas de nouvelle législation. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas se permettre beaucoup de choses sans en laisser d'autres. Il faut avoir un capital politique et je pense qu'un bon endroit pour commencer, ce serait de réduire le ratio de nos pensions trop généreuses. Mais les députés qui ont de très bonnes pensions, mais souvent c'est pour 8 ans, une pension pour 25 ans. Alors, Monsieur le Président, de plus, le salaire est 268 000 $ par année plus les bonus. Et je pense qu'on devrait avoir un plafond à 250 000 et faire une revue de tous les bonus de la gestion, la haute gestion. Alors, on a besoin de faire des décisions difficiles à la table de négociation. Je ne pense pas que les bénéfices de déplacement médicaux aient justifié. Alors, Monsieur le Président, je crois que le GTNO peut couper le budget de déplacement de moitié. La prochaine année, on devrait limiter les déplaçants, faire des réunions Zoom. COVID a déjà fait ça pour nous. Et je suis confiant que la plupart de ces réunions auraient pu être seulement un courriel. Et aussi, je crois qu'on faut créer un nouveau niveau pour le revenu de taxes. Alors, quelqu'un qui fait 142 000 paye le même taux que le sous-ministre qui fait 268 000. Alors, on peut faire d'autres niveaux pour l'impôt de haut niveau. On peut identifier plusieurs emplois qui peuvent être remplacés ou combinés et mettons comme 100 postes, par exemple. Et maintenant, on en ajoute des postes. Alors, pour commencer, je suis convaincu qu'en adoptant un modèle de GTNO pour les officiers, on pourra avoir un poste pour éliminer duplication des tâches et aussi avoir un modèle de base. Moi, je rêve qu'il va y avoir une application disponible pour tous les services et en ligne aussi. On n'est pas ambitieux pour le travail en ligne les services en ligne qu'on devrait se dire. Et ainsi, ça serait moins de main-d'œuvre et ça serait plus bon pour les personnes. Alors, il faut que nos services soient en ligne et avoir moins de personnel. Alors, et des changements de culture aussi, on devrait faire des changements de nos personnels de première ligne.
et ils doivent faire les décisions au niveau avec les gens. Alors, on a GTNO avec un manuel des ressources humaines de 1980. Alors, il y a des mots comme insubordination, c'est incroyable, c'est désuet. Alors, il faut livrer un changement qui est requis pour nos processus bureaucratiques. J'ai essayé de faire plusieurs directions. Ce n'est pas seulement pour faire des changements. Parce que la réalité de réalité fiscale, il va falloir les trouver. Je crois que si on travaille pour trouver des coupures avec une vision pour les logements, on peut faire des gros changements. Alors, je crois qu'on est tiré dans trop de directions. Je pense que l'habitation devrait être numéro un. Alors, tout le monde y gagne et ça va nous sauver de l'argent en santé, en des coûts de justice, ça aide les étudiants et ça brise le cycle de pauvreté. Ça emploie les contracteurs du Nord et ça donne de l'aide à l'industrie de construction. Ça aide les personnes dans les métiers. Je voudrais que cette Assemblée réajuste ses priorités et revenir avec une vision pour le logement. Réponse à l'heure du budget. De connaissance. Questions orales. Député de Hayward South. Une question. Ministre responsable pour les ressources financières. Première question. Combien de plaintes d'harcèlement est-ce que le gouvernement reçoit toutes les années? Ministre des Finances. Monsieur le Président, nous sommes en moyenne de 27 plaintes par année. Député de South. Que la plainte la plus commune pour l'harcèlement dans le milieu de travail? Ministre des Finances. La plainte la plus commune sur l'harcèlement personnel au abus d'autorité. Député de South. Demande le ministre, c'est un pourcentage. Quels sont les résultats en faveur du plaignant? Ministre des Finances. À son occasion, c'est le remède alternatif sur recommandé d'utiliser qui n'est une approche qui n'est pas peut-être un perdant gagné, mais une façon de pister qui est une constatation finale. 68% sont en faveur du plaignant. Merci, M. le Président. Je me demande aussi à la ministre. Qu'est-ce que le ministère du ministre, que les employeurs ont un procès équitable et juste? Ministre des Finances. Monsieur le Président, certainement nous avons une politique sur l'harcèlement. C'est un milieu de travail libre d'harcèlement et respectueux. Pour M. Roussman, il devrait une politique mise à jour. Avec les lois du directeur, on s'attend à publier cet exercice financier. Nous devons aussi avoir une formation pour assurer que non seulement les gestionnaires, les employeurs et les gestionnaires sont conscients de ces politiques. À date, je peux dire, nous avons plus de 515 employés et plus de 630 gestionnaires participés dans la formation de milieu de travail libre d'harcèlement et respectueux. On a encore travaillé, mais maintenant nous avons des modèles en ligne pour la formation au cours de la dernière année. J'ai dit tout ça, mais je veux dire, il y a toujours plus à faire. Il faut essayer d'avoir des partenariats avec le syndicat. On peut toujours aller au syndicat pour mettre en œuvre, d'utiliser la politique du milieu de travail. La dernière chose, je dirais, c'est les gens,
de formation conscient de politique, des fois les plaintes s'augmentent. C'est peut-être mauvaise chose, les gens sont conscients de leurs droits et quelles options qu'ils ont de disponibles dans le milieu de travail. Ils sont heureux. Député de Montfouy. Monsieur le Président. Les deux fonctionnaires les plus chevronnés ont pris des congés. En fait, le médecin général qui a demandé au Premier ministre que la question, avec le Premier ministre, comment est-ce qu'on peut approuver du placement du territoire pour les personnes suivantes? Le sous-ministre de la journée du secteur de COVID, le sous-ministre de santé et services sociaux. Pas discuter d'individus qui ne sont pas dans la chambre pour se défendre. Évidemment, la règle, j'apprécie que le député essaie d'obtenir des informations de ce qu'il fait, c'est pour le bien du public, et non pas discuter des personnes qui ne sont pas dans la chambre pour se défendre. C'est très évident. Le ministre fait un appel au règlement. Il y a raison pour ne pas discuter de personnes qui ne sont pas ici pour se défendre. Monsieur le Président, c'est là où je m'en donne. Je ne parle pas de processus comme tel. C'est pas moi qui pose la question. C'est le public qui pose la question. Qui a décidé pour ces déplacements pour le personnel? C'est le processus que je demande. Honorable Premier. Honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. En tant que gouvernement, de la Chambre, c'est un appel au règlement. C'est inapproprié de parler de personnes qui ne sont pas dans la Chambre. Mais ce que je veux dire, je ne parle pas des individus qui ont voyagé pour des circonstances. Les ministres sont responsables pour approuver les congés pour le sous-ministre. Mais ceci dit, le sous-ministre, ils doivent informer la ministre, mais ils sont responsables pour leur propre déplacement. On peut parler de fonctionnaires, mais on peut identifier des fonctionnaires spécifiques. Merci, M. le Président. On s'attend, ce que le public s'attend. Comment est-ce qu'on a le Premier ministre? Un appel pour un sacrifice personnel. Lorsque nos fonctionnaires les plus chevronnés pour COVID. Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire, Monsieur le Président, aucun ministre élu dans cette chambre est parti d'un Noël. Je ne crois pas. Je crois, en tant qu'élu, nous tous dans cette chambre, comme élus, sont responsables d'être des modèles de rôle pour les résidents des TNO. Monsieur le Président, on ne peut pas changer le passé. Je sais que le public est blessé. Plus de 1500 personnes dans les TNO ont quitté les TNO pour le déplacement de ce temps-là. Je sais aussi que, Monsieur le Président, ce n'était pas un ordre, c'est une recommandation. Personne ne violait la loi. Même les résidents ont parlé. Personne ne violait la loi. Monsieur le Président, c'était une année très, très difficile. Les gens ont dit. On dit le sang funéraire, ça voit les familles. Tout ça d'enjeux, les gens font des choix personnels. Mais je crois que tous et chacun qui est parti a pris ce choix personnel. Il y avait des discussions difficiles à prendre. Ils ont fait les meilleurs intérêts comme ils croyaient étaient appropriés. Monsieur le Président, je parle là des fonctionnaires, je ne parle pas des élus. Nous sommes élus
Nous n'avons pas voyagé. Moi, je n'ai pas voyagé depuis l'annonce. Alors, je parle directement des fonctionnaires, des fonctions publiques. Ils sont responsables des fonds publics. C'est des fonctionnaires, des serviteurs du public. Ce sont des domaines qui... des questions qui apportaient mon attention. Il faut se rappeler. Il y a l'imputabilité de ce gouvernement pour le public. Le public est mécontent. Qui est imputable? Le premier ministre a été imputable. Monsieur le Président, la prochaine question, ça va être... J'aimerais plus attention. Est-ce que le ministre a donné une liste complète de voyage par les ministres, destination et la région, depuis que l'urgence de COVID-19 a été déclarée pour être embossée par le premier ministre? Merci, Monsieur le Président. Je crois que le département médical, c'est sur le site web, est disponible pour des petits jours. Je crois que ça a déjà été fait. Moi, je crois comprendre. Aucun ministre a quitté le territoire depuis COVID-19. C'est un ministre qui a quitté le territoire. C'est à moi, en tant que premier ministre. Au début de COVID, lorsque j'étais là-bas, j'ai été frappé. Il y a un autre ministre qui a quitté à cause de... des circonstances spéciales. Ça, ce dossier est déjà public, vous pouvez l'obtenir. Ce député ne sait pas comment y avoir accès, laissez-moi savoir, et je vais lui dire où aller pour y avoir accès. Et voilà, dernier supplémentaire, député de Montfouy. Merci, M. le Président. M. le Président, pour la confiance du public, apparemment, cette confiance est violée. Tous nos deux, les fonctionnaires dans les cas supérieurs, doivent établir des standards élevés de comportement, soit dans cette chambre, soit dans la chambre, surtout durant une crise de santé publique. Quelles règles est-ce que le premier ministre met en place pour assurer que de tels doubles standards regrettables n'arrivent jamais à nouveau? Madame la Première ministre. Merci, M. le Président, encore une fois. Pas changer le passé, il faut apprendre du passé. Donc, tel que pour vous, le député parlait autrefois, j'ai parlé à tous nos ministres. Je dis, s'il vous plaît, ne partez pas, à moins qu'il y ait des circonstances spéciales. Les gens ont des circonstances spéciales. Deux personnes médicales, la perte d'un membre de famille, l'histoire horrible ont lieu durant la COVID-19. Et je ne voudrais pas pénaliser qui que ce soit. Ce n'est pas l'objectif de protéger nos résidents. C'est garder les gens en sécurité. J'ai parlé à nos ministres, j'ai parlé à tous nos cadres supérieurs, j'aurais dit. Non, le gouvernement n'est pas écrit. Je crois que j'ai partagé avec les députés du comité permanent de côté. Donc, j'aurais dit, il y a des questions. Je ne pas dire aux gens de ne pas quitter le territoire. Ça doit la personne. Mais je n'appuierai pas le voyage. À moi, c'est une circonstance extrême que le COVID-19 est complété, est fini. On essaie d'apprendre nos leçons. Je m'excuse au public qui ont été blessés par ça. C'était pas l'intention. Merci, monsieur. Je veux aussi dire que non seulement les ministres, j'espère que tous les députés vont aussi avoir des modèles de rôle et ne pas quitter le territoire jusqu'à ce qu'on ait fini avec COVID-19. Une orale, député de Northcott. Merci. C'est question pour la ministre de Maca à propos des services d'autobus de Tuktoyaktuk. Moins 63 cette semaine. Alors, on veut financement. Je sais qu'ils ont une lettre pour la ministre. On veut travailler avec elle pour, dans le Beaufort pour avoir des fonds pour cette communauté. Merci. Ministre de Maca. Merci. Alors, le député a raison. Oui, j'ai eu des conversations avec le hameau de Tuck à propos des services d'autobus pour Reindeer Point. C'est en dehors de la communauté. Je ne sais pas combien de kilomètres. Et je sais que les situations de température et les résidents, ils ont pour leurs besoins
de base aller au magasin général et les rendez-vous, ou alors on a le fonds d'entretien et aussi d'autres argents, mais on n'a pas d'argent avec un onglet spécifique pour les transports, mais on va se pencher. Et ça a ouvert la conversation pour les autres communautés dans les TNO qu'ils ont ces hameaux éloignés. Merci. Question orale. Député de Nanakut, merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'elle pourrait au moins partager les frais de l'autobus dans les trois dernières années? Et c'est difficile pour eux pour avoir d'autres services à la communauté. Alors, est-ce que la ministre pourrait au moins fournir une sorte de financement de soulagement pour la communauté? Madame la ministre de MACA, merci. Alors, cette année, MACA, on a donné des fonds additionnels pour la réponse COVID et pour toutes les communautés des TNO. Alors, c'est à eux de décider comment ils vont dépenser ces fonds additionnels pour la COVID, mais je vais faire un suivi avec le député et je vais re-regarder leur plan d'affaires et voir qu'est-ce qui arrive là-bas spécifiquement et quelle sorte de financement qu'on pourrait re-regarder. Mais encore une fois, on n'a pas, notre ministère n'a pas de fonds pour des services d'autobus. Alors, merci. Député de Nanakut, merci. Est-ce que la ministre regardait ou parlait avec la personne fédérale ou peut-être avoir des fonds ainsi pour les hameaux à travers le territoire? Je sais que tout le monde a de la difficulté de donner des services à cause de la COVID et il y a eu un influx d'argent du gouvernement fédéral et ainsi les résidents des TNO pourraient tous bénéficier. Madame la ministre, merci. Oui, on est en conversation avec le gouvernement fédéral. Ils regardent des fonds additionnels pour des plus petites communautés. Mais je veux assurer le député que que aussi le financement que Tuktoyaktut reçoit, c'est environ 4 millions par année. Alors, question pour conclure? Merci. Alors, Tuk, le hameau de Tuk. Alors, l'exécutif, je vais les rencontrer la semaine prochaine et je vais essayer de voir si on peut faire une entente avec le ministre. Et je pense qu'ils viennent la semaine prochaine à Yellowknife pour des réunions. Et peut-être avec le maire, peut-être quand ils vont être en ville, peut-être dans les prochaines deux semaines, si on pourrait avoir une réunion avec le ministre. Madame la ministre de MACA, merci. Malheureusement, je retourne à mon comté et on a une grosse ouverture pour le nouveau centre d'aînés, mais je vais essayer de faire un suivi avec eux. Député de Twin Lakes, Monsieur le Président, j'ai tenu à lancer sans campagne de recrutement des étudiants d'été à cause du COVID imposé. Ça a été interrompu. Je suis content que la ministre informe un collègue de Tabatia. Comment cela avance? Une question pour le ministre des Finances. Comment ce gouvernement et ce plan de discrimination positive est incorporé dans le processus d'embauche des étudiants d'été? Ministre des Finances? Monsieur le Président, le plan de discrimination positive s'applique aux étudiants et les programmes de stagiaires, comme tous les embauches des étudiants. Les responsables d'embauche sont censés être conscients de ces politiques. Et tellement attentifs, il y a une variété d'outils de formation, y compris une trousse
en ligne pour que les gestionnaires puissent utiliser cela pour veiller à ce que cette politique soit respectée. Député Henry Cornelix. Une enquête pour embaucher une échange d'été, est-ce que le responsable de dotation est informé de la politique de discrimination positive et comment cela s'applique aux étudiants d'été? Est-ce que les finances? Oui. Lorsqu'il y a, il y a une base de données qui est créée que, en se demandant aux étudiants d'été de s'inscrire. Ça fait partie du processus, le gestionnaire responsable de la dotation doit être passé, ils doivent avoir accès à ce base de données. Une fois qu'ils ont accès aux bases de données, on leur rappelle pour, qu'il faut respecter les politiques d'embauche pour les politiques de distribution possible. Et ce rappel est là, à ce moment donné. Ils devraient déjà connaître ces politiques lorsqu'ils reçoivent leur formation comme gestionnaire. Député de Louis-Twin-Nate. Ma prochaine question, quels mécanismes sont en place pour aider les responsables de la dotation qui appliquent la politique de discrimination positive lorsqu'ils embauchent les étudiants d'été? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'ai l'impression que le thème de que ça s'en va. Tous les politiques au monde sont aussi bons que les personnes qui les mettent en vigueur. Je suis conscient de cela. On en parle beaucoup dans le ministère des Finances assuré que la formation c'est disponible et accessible et que la poussée pour donner le temps aux employés de prendre la formation, qu'on est conscient du fait qu'on veut que les employés veuillent prendre cette formation, on veut que les gestionnaires prennent cette formation, on veut que tout le monde ait ses opportunités de prendre la formation adéquate pour qu'ils mettent en vigueur les politiques. Je comprends la direction en général, mais plus spécifiquement sur cette question, qui veulent se embaucher, qui ne sont pas priorité 1 ou priorité 2, on s'attend que le gestionnaire va aller voir les ressources humaines avant d'aller de l'avant. Mais si, à la fin de la journée, il y a une embauche qui est à l'extérieur de ces séquences de priorité, on s'attend que ça, qu'il se parle au sous-ministre. Dernier bref supplémentaire. Député de Louis-Twin-Nate. Est-ce que le ministère des Finances fait des vérifications, des revues, des programmes d'embauche des étudiants d'été que serait que les politiques de discrimination positive sont appliquées correctement et que nos étudiants autochtones ont la possibilité équitable d'avoir un emploi du gouvernement? Monsieur le Président, non, à ce moment-ci, il n'y a pas de vérification formelle qui se fait du programme d'étudiants d'été d'attraction, on a reçu d'attraction, on me dit que c'est positif, un programme qui est bien reçu par les étudiants et bien reçu par les ministères. C'est un excellent outil pour eux de recruter, de retenir des étudiants autochtones du Nord. Chez les petites productions, je veux qu'on dresse ça. Ils sont ici. Les 84 étudiants inscrits, 21 sont autochtones. Indigène et d'autres sont non-autochtones. Je sais que c'est plus ça. C'est la politique elle-même qui n'est pas en jeu. Tous les cohortes, c'est des gens du Nord. Je suis d'accord avec le député. Il faut avoir cette occasion pour les étudiants du Nord. Question orale. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Finances. J'ai parlé des enjeux de la déduction d'impôts des résidents autochtones, c'est pas indexé et souvent il y a trop de vérifications. Alors, monsieur le président, je sais qu'elle n'est pas responsable pour cela, mais c'est notre liaison avec le ministre, avec Revenu Canada, la liaison avec. Est-ce qu'elle peut nous dire s'il y a eu des changements après, en avril, Merci, Madame la ministre des Finances. Alors, merci. Alors,
Alors, c'est pas moi, je contrôle pas la taxation fédérale. Et il y a un nouveau ministre au niveau fédéral aussi. Peut-être qu'il va y avoir d'autres changements, mais pour des changements formels, on a su que Revenu Canada, qu'il y a des enjeux, qu'il y a eu des vérifications, c'est résolu maintenant et ça ne devrait pas être un problème pour les résidents des TNO. Mais autre que ça, je n'ai pas de rapport, rien. Peut-être je pourrais faire un suivi, mais c'est la meilleure chose que je peux offrir présentement. Merci. Merci. Merci, Madame la ministre. Oui, j'aimerais bien avoir un suivi avec, parce que la consultation était terminée. Alors, les résidents, ceux qui n'ont pas voyagé dans le sud en 2020, mais les voyages de loisirs sont admissibles pour les déductions. S'ils ont des reçus, est-ce qu'elle peut nous dire si c'est encore le cas où il y a eu des discussions avec Revenu Canada à propos de la flexibilité, à propos des déplacements dans le Nord pour leur rapport d'impôt de 2020, Madame la ministre? Merci, oui. Alors, les voyages dans les TNO, oui, ils qualifient pour la déduction de voyage maximum de 2 voyages par année par personne de ménage. Et alors, ne prenez pas votre voyage chez soi ici. Alors, vous pouvez réclamer, il y a différentes choses, vous pouvez réclamer. Alors, je pense pas que c'est l'endroit ici de donner de l'information sur les rapports d'impôts. Mais les petits voyages dans les TNO, oui, ils peuvent les réclamer. C'est vrai. Blake, merci. Merci, Madame la ministre, oui, pour cette clarification. Alors, maintenant, ça fait 33 ans dans les TNO. Est-ce qu'elle a déjà parlé avec le gouvernement fédéral et quelle était leur réponse, ministre de Finances? Merci. Alors, je ne peux pas être pas d'accord que, alors, c'est difficile un petit peu que ce n'est pas réajusté pour le coût de la vie, mais on a un avantage pour ces décisions. Alors, avant, il faut faire attention parce que c'est quand même de l'argent du fédéral. J'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres avec le gouvernement fédéral, mais récemment, c'est sur COVID-19. Et je pense qu'on va recommencer avec la programmation entre la finance et on va continuer à devoir continuer de parler d'autres sujets que COVID-19, incluant celui-ci à propos de l'indexation. Alors, question pour conclure. Merci. Je veux remercier Madame la ministre pour cela. Alors, c'est pas seulement après indexation, c'est après ça de deviner, ça va être quoi, de deviner le prix le plus bas de voyage d'avion. Alors, je sais pas pourquoi la Revenu Canada peut pas dire au monde qu'est-ce que ça va être. Il y a beaucoup d'enjeux ici, mais en tout cas, mais j'espère que l'année prochaine ou l'année d'après, recommencer avec ces mêmes problèmes-là. Alors, je l'encourage à travailler avec le collègue, avec peut-être Yukon, et peut-être se mettre ensemble et recommencer cette conversation avec, pas une pression sur le gouvernement fédéral. Est-ce qu'elle peut dire qu'est-ce qu'elle va faire sur les taxes pour les résidents du Nord? Madame la ministre, alors je suis heureux que la question reste sur le sujet. On a continué à parler de ce sujet. Il y a un petit peu d'amélioration avec Revenu Canada, spécifiquement sur les gens du Nord, essayer de simplifier
c'est ça le l'avantage de s'engager à tous les jours qui alors je peux parler les collègues du Yukon et voir si c'est un intérêt commun et considérer si on pourrait faire une lettre commune et je ferai un suivi. Thank you very much, Mr. Speaker. My question. Merci, ma question pour le ministre de Santé. Est-ce que le ministre de Santé pense d'augmenter les services pour le trouble de spectre de l'alcoolisation fœtale et des ergothérapeutes et ainsi de suite? Madame la ministre de la Santé. Merci. Merci pour la question. Il y a beaucoup de soutien qui existe déjà pour les jeunes s'il y a un diagnostic pour les jeunes. Alors, les jeunes avec, il y a un coordonnateur pour sa famille pour assurer la collaboration, la coopération. Et peut-être qu'il y a des choses que la famille a déjà, mais peut-être aussi faire relier les personnes avec les TNO, le conseil de handicap ou la coalition, dépendamment des circonstances. Alors, on a un soutien robuste pour cela. On n'a pas de plan spécifiquement d'avoir plus de personnel de santé pour ce programme-là spécifiquement. Député de Camley. Merci. Alors, combien de personnes présentement en dehors? Redire. Alors, combien de personnes qui ont des soins hors des TNO et qui ont un TSAF? Alors, Madame la ministre de la Santé, merci. La réponse est 136. Et pour votre deuxième question. Et alors, on est en train de faire la révision pour ce secteur spécifiquement. Alors, député de Cab Lake, oui, je me demande si alors, est-ce que combien de personnes qui ont fait des déplacements médicaux, c'était pour un diagnostic de TSAF? Merci, Madame la ministre. Alors, la clinique de TSAF paye pour les déplacements pour la clinique dans les TNO. Et aussi, il y a la clinique de diagnostic pour les jeunes à Fort Providence. Alors, ils peuvent participer là-bas. Et la clinique des jeunes TSAF, 20 évaluations et 17 en 2020. Et il y a 6 individus depuis janvier. Alors, question pour conclure. Député de Camdeck, merci. Alors, on sait que les déplacements de voyage peuvent être très coûteux. Et comme s'il y a à peu près 40 personnes dans la clinique et peut-être qu'il faudrait avoir plus de fonds, est-ce qu'elle pourrait faire un programme dans les TNO pour le trouble de spectre de l'alcoolisation fœtale? Madame la ministre de Santé, merci. Merci. Ce programme-là est relativement nouveau. La clinique des jeunes, c'est à peu près 2 ans et l'autre clinique, à peu près 1 an. Alors, on regarde encore quels sont les vrais besoins et je suis confiante qu'on a un bon service présentement pour les gens des TNO dans ce domaine. Bien sûr, on pourrait faire mieux, faire plus, mais il y a beaucoup de pression présentement sur le ministère de la Santé pour dépenser. On fait le mot pour SAF présentement et je sais qu'il y aura une évaluation pour les nouveaux programmes, mais c'est trop tôt pour évaluer présentement.
Député Yellowknife North. La question pour le ministre de Justice. Quand est-ce que nous allons avoir une journée pour la famille, Monsieur le Président? Ministre de la Justice. Il n'y a aucun plan pour faire de la journée de famille une fête territoriale. Député Yellowknife North. C'est 3 mois sans une fête fériée. Et noir, est-ce qu'il y a des plans pour ajouter une fête fériée entre le jour de l'an et Pâques? Ministre de la Justice? Non. Monsieur Député Yellowknife North. Monsieur le Président, est-ce que ce qui empêche le ministre d'adopter un congé du point de vue législatif? Est-ce que quelque chose vous empêche de créer une autre fête fériée? Ministre de la Justice? Merci, M. le Président. Créer un nouveau fête fériée, on peut le faire de la même façon qu'on fait tout au législation. C'est dans le gouvernement, l'Assemblée, on peut travailler ensemble pour faire quelque chose comme ça. Non, il n'y a aucun obstacle. Un supplémentaire. Député Yellowknife North. Est-ce qu'il y a du travail qui a été fait pour consulter la population du TNA? Si eux aimeraient avoir une autre fête fériée, j'ai de dire croire que si nous écoutons la volonté de la population qui voudrait avoir une journée de famille, est-ce que le ministère a fait une évaluation qui a visé le nombre de congés et demandé aux populations que nous décevons que si eux ils veulent avoir une fête de la famille? Non, nous avons plus ou moins les mêmes nombres de congés que d'autres juridictions, le journée autochtone. Ce n'est pas un congé à l'extérieur des TNO pour le Yukon. Nous avons le même nombre de congés que tout le monde. Non, non, n'ont pas demandé si on devrait avoir plus de fêtes. Les orales, député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Mes questions sont maintenant pour le ministre de la Justice. Pardon, le ministre des congés. Je me demande combien d'emprisonniers ont passé par la clinique diagnostique de l'ensemble des troubles d'alcool hospital. Comme ministre des congés, je vais donner les congés à la députée pour le restant de la journée. Je n'ai pas ce chiffre, c'est quelque chose qu'on peut fournir à la députée. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Je préférerais que la ministre pose une question. Quel service de soutien pour les ensembles troubles de la cour fétale au sein de la collection de North Slave ou qui ont reçu un diagnostic ou qui voudraient avoir un diagnostic? Ministre de la Justice. Les prisonniers peuvent être renvoyés à la clinique de diagnostic des ensembles des troubles de la cause fétale. Ils n'ont pas besoin d'un diagnostic pour avoir obtenu les soutiens nécessaires pour les individus, que les gens qui ont des besoins complexes. Peut-être que je pourrais offrir de fournir au député des informations détaillées parce que plusieurs soutiens, je n'ai pas ça au bout des doigts. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Je me demande quels soutiens sont fournis aux prisonniers lorsqu'ils sont libérés pour réduire les taux de récidivisme. Ministre de la Justice. Lorsqu'ils sont libérés, les anciens détenus travaillent avec le gestionnaire de cas, identifient ce qui est disponible dans leur communauté. Ils travaillent avec eux, font le maximum pour assurer. Ils ne reviennent pas. Ça ne marche pas toujours, évidemment. Il y a une différence de travail de territoire. Ça dépend avec qui vous travaillez et dans quelle communauté vous vous trouvez. Mais encore une fois, je peux fournir cette information à la députée. Daniel Spinter, député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Je demande si le ministre de Justice pourra s'engager à travailler le plan de service pour l'ensemble des troubles de la cause fétale.
Non, ça ne marche pas aujourd'hui. La semaine est très longue. Je demande si M. Justice serait prêt à développer un plan détaillé pour le traitement et le soutien de l'ensemble des troubles d'alcoolisme fœtal au sein de nos centres de correction. Et s'il pourrait inclure dans un plan détaillé un plan pour les après-soins pour les détenus une fois qu'ils sont libérés pour retourner se rendre à la communauté. Monsieur Justice. Merci, M. le Président. Une fois que j'ai toutes les informations que je peux partager avec les députés et on pourra discuter, quelles sont les prochaines démarches et quel soutien que nous pouvons offrir. Sans avoir cette information, c'est difficile de me lever et dire c'est ça qu'il faut faire. Non. Non, j'anticipe pas avoir cette conversation avec les députés. Question orale. Thank you very much. Député de Cam-Lake. Monsieur le Président, je ne suis pas exactement fini de questionner le ministre de la Santé et des Services sociaux. Je comprends que ce programme, c'est nouveau, mais le COVID fœtal, c'est un problème au territoire depuis des années. Je comprends que les gens reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Demandez au ministre d'examiner la possibilité de créer un plan détaillé pour le traitement et le soutien des personnes souffrant de l'ensemble des troubles de la cause fœtale ou des difficultés complexes. Et je pense qu'il faut plus de soutien. Les soutiens ne sont pas disponibles dans les communautés comme ils sont à Yonef, et même ceux qui à Yonef manquent, ils ne sont pas les services complets qu'ils devraient être. Il faut plus de soutien. Il ne sera pas de soutien dans les besoins. Ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis certain de peut-être avoir cette conversation avec le député. Est-ce que je crois que les écarts dans les services se trouvent et quelles sortes de soutien quoi sont nécessaires? Et pour vous, national, je l'invite de venir me parler. Député de Cam-Lake. Monsieur le Président. Je vais avoir une conversation en ligne d'abord. Ministre de la Santé. Vous pensez avoir un commentaire? Question orale. Député de Frame Lake. J'ai une question pour le ministre de la Santé à propos de tester les eaux usées. Et aussi faire le test, c'est un très bon système d'alarme que nous avons. Malheureusement, mais j'ai demandé plusieurs fois et j'ai entendu de mes électeurs qu'il n'y a pas de façon de savoir c'est quoi les résultats des tests des eaux usagées. Est-ce que la ministre peut parler de les résultats de ces tests pour le public? Madame la ministre de la Santé, merci. Oui, alors, comme le député a dit, la surveillance des eaux usées dans trois communautés, et ça a été très efficace. À ce point-ci, les échantillons sont envoyés au centre laboratoire à Winnipeg. Alors, on espère qu'on va pouvoir investir dans un tel laboratoire ici à Yellowknife et on aurait les réponses plus vite. Mais avoir dit ça, mais je... Le tableau de bord n'a pas été installé pour cela présentement. Député de Framelock. Alors, merci pour la ministre pour sa réponse. Comme j'ai dit, c'est un très bon système et je l'apprécie beaucoup et le travail qui est fait. Mais dans le tableau de bord, par exemple, on a la présence ou absence de COVID et est-ce que les niveaux augmentent ou moins? Est-ce que c'est l'information qui pourrait être placée sur le tableau de bord quand ça va être disponible, par exemple? Madame la ministre de la Santé? Oui, merci. Oui, je voudrais que je demande au détail qui est prévu
pour le tableau de bord, mais on voudrait, quand on va le lancer, on va avoir de l'information et on voudrait pas des communautés qui paniquent. Mais bien sûr, je vais m'informer pour la future information qui va être sur le tableau de bord. Député de Friendly, merci. Tu es de Hay River South. Merci. Alors, j'ai des questions pour le ministre de Société d'habitation. Est-ce qu'elle peut confirmer quand Hay River peut s'attendre à avoir plus d'unités d'habitation? Merci. Ministre de l'habitation, merci. Présentement, la Société d'habitation, on fait le processus pour construire des unités pour la GRC. On n'a pas d'autres unités d'habitation pour la communauté de Hay River, mais on travaille avec la stratégie d'itinérance et on se penche sur trouver des solutions à long terme pour votre communauté. Député Hay River, alors, Hay River a un grand besoin pour l'habitation, pour les familles, pour les personnes seules, les grandes familles. Alors, il y en a que ça fait. Il y a des personnes qui attendent pour plus de 3 ans. Alors, il faut penser de façon plus créative. Est-ce que la ministre pourrait considérer parler et user le secteur privé de construire peut-être? Des unités et peut-être être prises, Madame la ministre de l'Habitation. Merci. J'apprécie les commentaires du député et cette approche est différente et j'aimerais regarder quelles sont les opportunités dans les TNO et s'il y aurait des chances de travailler avec le secteur privé, j'aimerais ça me pencher sur cela. Et comme pour Yellowknife, on a des baux avec la ville de Yellowknife, comme des appartements qui sont ici, mais je vais faire un suivi. Je suis très intéressée par cette nouvelle approche. Député de Hay River South. Merci. Présentement, on a 122 appartements dans un édifice à Hay River South. Je sais pas, il y a quelque chose et peut-être avec cet édifice-là, ça pourrait aider les programmes d'habitation. Est-ce que la ministre pourrait confirmer à propos de cet édifice-là pour que cet édifice devienne opérationnel pour la société d'habitation. Madame la ministre, merci. Alors, c'est une approche collaborative avec les TNO. Et on a une initiative qu'on a travaillé avec la gestion de cet édifice et peut-être un co-investissement et peut-être travailler avec... qu'il puisse faire cette application-là, que ça soit une réussite. Question pour conclure? Question rapide. Monsieur le Président, j'ai une question pour le Premier ministre. Si j'ai la réponse que je cherche, je n'aurai pas d'autres questions. Est-ce que le Premier ministre pourra avoir une discussion avec tous ses collègues du cabinet pour assurer que le ministère respecte la discrimination positive cet été et pour tous les étés à suivre pour le programme d'embauche des étudiants d'été. Monsieur le Président, la réponse est plus facile quand nous avons ce conseil à la table régulièrement. Oui, absolument, je m'engage à avoir cette concession. Merci. Zoral? Rien de plus? Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de la Santé. J'ai plusieurs électeurs qui me rejoignent. Ils parlent d'une nouvelle installation pour soins à long terme. Ce n'est plus pour Hévo. Si le ministre peut me donner une mise à jour, nous sommes ensemble avec ça, pour que je puisse faire un rapport à mes électeurs.
Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Et merci, le député, pour cette question. Je n'ai pas d'informations nouvelles pour lui, pour les projets des lits à long terme, mais je m'attends pour être donné avant que nous finissions à la fin de mars. Député de South. Voilà. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. J'ai des questions pour la ministre de l'Habitation. Cette habitation, quelque chose s'appelle. Attends un peu. Exigence pour actrices dans la communauté. Quelqu'un doit demeurer dans cette commune pendant un nombre de mois, des fois jusqu'à un an, avant qu'ils puissent mettre leur nom sur une liste d'habitation pour, d'attente pour le logement public. À quoi sert cette politique? Ministre de l'Habitation. Et je regarde l'exigence de résidence pour les TNO. Propriété d'habitation pour une unité de logement public dans une cohérence à travers le processus de soumission. Et ça élimine les gens qui arrivent du sud ou les gens qui viennent des petites communautés et bombarder une liste d'attente unique. Il faut s'assurer qu'on livre nos programmes de façon équitable et qu'on rencontre les besoins de la population des TNO. Député de Cam Lake. Le problème avec cette politique, c'est en fait, c'est avec les femmes. Si une femme essaie de fuir de violence familiale et quitte une petite communauté ailleurs et ne pas mettre dans une liste ailleurs, il faut qu'elle soit sans abri pour échapper de violence familiale. Aucun qui veut se déplacer de Yonnet pour avoir du service, qui veut tourner à leur propre communauté. Il faut qu'ils soient itinérants ou dormir sur les divans. Merci, député Cam Lake. Ministre responsable de la Cité d'habitation. Ce qui concerne la violence familiale et le déplacement de la Cité d'habitation. Oui, de façon, nous avons pu examiner le transfert d'une communauté à l'autre en ce qui concerne fuir une situation domestique. Et je vais examiner cette politique. Je vais assurer que nous reconnaissons cette situation lorsqu'on parle des transferts ou des réhabilitations. Député de Cam Lake. Est-ce que le ministre a considéré que le comité sur le développement social à cette question? Once I do have the conversation with my department, because I just made this commitment on the floor, so I will be speaking with my department prior to putting requests. Le ministre avant de solliciter une réunion. Ministre supplémentaire, question orale. Député de Montfouille. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous avons l'autre toit qui mène à la communauté. Je vous demande une question concernant le ministère, la ministre des Finances. Nous avons encore ce service cellulaire des deux communautés, mais les gens que je représente me posent des questions concernant cela. Je lui demande ces questions. J'ai une question pour le ministre des Finances. Il y a deux semaines, lundi, nous avons une réunion à Bishoko sur le manque de services cellulaires. Il y a une question. Est-ce que le ministre peut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, une expression d'intérêt? Notre comptez me savoir ce que ça veut dire et quel est le processus comme tel. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Une expression d'intérêt, c'est un outil que nous utilisons au ministère des Finances et changement pour déterminer quelles sont les options. Une expression d'intérêt, c'est aller dans le marché privé, voir quelles options peuvent être disponibles, qui sont peut-être disponibles pour nous.
On peut chercher une solution, comme je dis, dans la Chambre. Il n'y a pas une solution du marché, évidemment. Il n'y a aucun profit à ouvrir des tours cellulaires. Mais la technologie change constamment. Les technologies sont fusionnées pour assurer que nous allons voir ce qui est disponible. Et c'est la première étape de l'expression de sous-ministre des Finances. C'était à l'Union avec Joe aussi, sous-ministre de l'Infrastructure. C'était une première étape exceptionnelle pour l'Assemblée de Gouvernement Quotin de GTNO et d'autres parties prenantes et le marché privé. Je comprends que ça a été un bon dialogue. Nous prenons plus de marche pour avoir les enseignements du secteur privé. Et j'espère trouver une solution qui va avantager ce chemin et peut-être d'autres bouts de chemin. Député de Montfouy. Merci, M. le Président. L'union que nous avons eue est très productive. Je suis content que la ministre a envoyé sur les cadres supérieurs. C'est le truc qui voit tous les jours. Il y en avait 53 environ entre Béchecov et Yannouf. J'aimerais savoir le cadre de temps. L'expression de l'air a été mise il y a 2 semaines, où en sommes-nous? Et le processus lui-même, peut-être on va être échéancier pour ça. Merci. Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Dans ce contexte, la toile du fond de la requête pour l'expression d'intérêt a été émise le 1er février et ça ferme le 27 février. De ce point-là, évidemment, nous allons réviser ce qui est là. Nous allons réviser ces propositions et à commencer le 28 février, nous avons fait des évaluations internes pour parler aux parties prenantes, voir qu'est-ce qu'on peut accomplir plus. On espère sujeter de ces évaluations. Peut-être d'ici l'été, on peut trouver une solution. Député de Montfouy. Député de Haver-South. Merci. On dépense beaucoup d'argent pour envoyer les personnes dans le sud pour les traitements de dépendance. Et quand ils reviennent, on a des ressources pour les s'appuyer, mais il y a des personnes qui me disent qu'ils voudraient un endroit qui pourrait aller une journée, une heure, une semaine quand ils ont... peut-être qu'ils pourraient retomber dans leur dépendance. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait regarder ceci, identifier un centre ou peut-être regarder que les personnes n'ont pas besoin de d'aller hors des TNO s'ils pensent faire une rechute? Madame la ministre de la Santé. Merci. Alors ça, c'est une idée intéressante et je comprends l'intention ici pour avoir une sorte de centre d'urgence pour les rechutes potentielles. Alors, il y aurait un endroit, une intervention plus immédiate. Oui, absolument. J'en parlerai aux députés. Ça m'intéresse. Député de Hay River South, merci. Et merci la ministre pour considérer cela. Et qu'est-ce que je m'attends? Alors, pas seulement dans une communauté. Oh, et ça ne coûterait pas cher probablement. Mais, par exemple, quelque chose dans le sud, quelque chose dans le nord, comme ça, un accès plus facile pour les personnes. Alors, peut-être la ministre qu'elle pourrait... Alors, Madame la ministre. Alors, on regarde pour consolider les soins de suivi. Alors, on va faire le sondage et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné.
Alors, ça, c'est quelque chose probablement qui va être dans les considérations. Alors, parce que c'était notre engagement dans notre mandat à propos des soins de suivi. Merci. Député de Haver-Bruxelles. Non. Written question. Question écrite. Réponse au discours de commissaire. Excusez, retour aux questions écrites. Ça doit être vendredi, j'ai manqué. Réponse au discours de la commissaire. Pétition. Report des comités et la revue des projets de loi. Un rapport des comités permanents et spéciaux. Tabling a document. Alors, dépôt de document. Député de Montfouy. Member for Nanakwet. Oh, député de Nanakwet. Alors, merci. Votre comité devrait faire le rapport, la considération de la modification de la loi sur les voies publiques a eu la deuxième lecture et ça a été rapporté sur le comité permanent pour revue. Et le 10 février 2021, on a eu une audience avec la ministre de l'Infrastructure sur le projet de loi et on a fait une revue clause par clause. Alors, le comité rapporte que le projet de loi numéro 3 pour modifier la loi sur les voies publiques a été modifié et réimprimé. Merci. Report des comités pour les revues des lois. Report pour les comités spéciaux permanents. Dépôt de documents. Merci. Alors, j'aimerais déposer aujourd'hui, le 8 janvier 2021, pour l'honorable première ministre Caroline Cochrane pour les voyages essentiels et non essentiels de la part d'Echo Première Nation. Dépôt de documents. Selon la section 23 de la loi des langues officielles. Alors, je dépose le rapport annuel sur le TNO 2019-2020 au nom de la commissaire aux langues officielles. Motion, avis de motion, motion. Député de Friendly. Merci, monsieur. Comité permanent sur les procédures et rapport du comité 6-19-2. Conseil de questions, des séances à distance. L'Assemblée a fait des recommandations concernant les changements au règlement de l'Assemblée active des TNO. Compte tenu du 5 novembre 2020, le comité plénier a adopté toutes les recommandations contenues dans le rapport du comité 6-19-2. Et compte tenu du fait que les règles actuelles de l'Assemblée législative TNO ont été adoptées le 10 décembre 2019, une copie des règles modifiées de l'Assemblée législative qui inclut les règles pour les séances à distance a été déposée le 10 février 2021 et dansé comme document déposé 305-19-2. Donc, je propose appuyer par l'honorable député de Handy que cette assemblée active annule les règles de adoptées le 10 février 2019 et adopte une nouvelle version des règles de l'assemblée active des TNO. Identifié tel que document déposé 305-19-2. Et de plus, que les nouveaux règlements TNO, dès qu'ils seront adoptés, cette motion prendra effet immédiatement. Merci, M. le Président. Motion en ordre dans la motion. Questions ont été appelées en faveur, contre, abstention. Motion est adoptée.
Motion. Avis de motion pour la première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Comité plénière du projet de loi et aux questions. Rapport au comité 8-19-2. Déclaration des députés 77-19-2. Document déposé 165-19-2. Document déposé 166-19-2. 286-19-2. Député Éric Twinlegs à la présidence. J'appelle le comité plénier à l'ordre. Quel est le sujet du comité, M. O'Reilly? Merci, Mme la Présidente. Le comité voudrait conseiller le document déposé 286-19-2, prévision principale de 2022, avec l'exécutif et les affaires autochtones. Merci, Mme la Présidente. Le comité est d'accord. Excusez-moi. Je vais prendre une brève pause et reprendre avec le premier item. Pour les affaires autochtones. On va continuer à la page 126. Madame la Première ministre, est-ce que vos témoins sont ici? Oui, j'ai des témoins. Veuillez escorter les témoins à la chambre. Il n'y a pas grand-chose à venir. Il reste trois pages. Bienvenue, vous pouvez présenter vos témoins pour le dossier. Moi, j'ai M. Mark Goldin, secrétaire du cabinet et sous-ministre des affaires d'exécutif et directeur de Mme Kennedy, directrice des services partagés. Bienvenue, re-bienvenue. Député de Frame Lake. Trois choses que j'aimerais questionner. Sur la page 126, puis je vais commencer. Le mise en œuvre, relations entre le gouvernement et négociations. Il y a augmentation dans ces rubriques. J'étais dans la 10e assemblée, le candidat qui est devenu le premier ministre avait promis que
toutes les négociations continuent à être complétées dans ces 4 ans. Combien d'ententes est-ce que nous avons atteint en 4 ans? Une entente. Une entente en principe pour l'autogouvernance à Norman Wells. Pour le métier, une entente en 4 ans. Je ne veux pas me trouver dans cette position dans la fin de cette assemblée. Je continue à attendre des négociateurs, des gens qui participent aux négociations avec le gouvernement autochtone, que le problème maintenant à la table, c'est le GTNO. Ce n'est pas le fédéral, ce n'est plus le fédéral. C'est mineur, la participation. Le problème, c'est notre gouvernement. Ce n'est pas vraiment là où on va se trouver. Pour commencer, je sais que nous avons un nouveau cabinet. Il permet des choses nouvelles, mais il n'y a pas d'argent ici pour livrer ça, avec ce budget. Aucune des choses additionnelles. Donc, ma question pour la ministre ici, est-ce qu'il y a un gouvernement à cette table? Est-ce qu'ils ont des nouveaux mandats? Comment est-ce qu'il y a pour avancer cela? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chambre additionnelle pour aider avec ces négociations. Madame la Première ministre, Madame la Présidente, au début de cette assemblée, nous avions une présentation pour ceux responsables des négociations, ils ont des mandats, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Comme le député, c'est lorsque ça devient trop question des argents, ils doivent revenir à l'exécutif pour l'approbation. Les négociateurs ne sont pas font partie des négociateurs, n'ayant pas d'autorité, ils dépendent de décisions excessives sans l'approbation du cabinet. Et dans le gouvernement, je dis que tout se ferait. Peut-être pas le meilleur engagement à faire. On ne s'est jamais engagé à ça. Mais nous en demandons pourquoi s'il n'y a pas de nouvelles sources d'argent? Pourquoi, durant cette dernière année que nous sommes au gouvernement, à travailler sur ces relations, encore là, parce qu'à cause du COVID-19, ça m'a permis de rencontrer plus régulièrement que les gouvernements autochtones. Nous avons bâti des relations avec eux. Nous avons des gouvernements qui nous ont approchés et ont dit qu'ils étaient prêts à travailler pour nous, mais à cause des relations que nous avons formées grâce au gouvernement, ils reviennent à la table. Mais j'ai l'espoir que durant la session du gouvernement, je ne suis pas assez naïf pour dire qu'on va tous les comprimer. Vous allez voir le progrès au sein de ce gouvernement. S'il faut plus d'argent à cause de ça, alors je vais retourner à l'exécutif et demander des financements supplémentaires. Mais je ne vois pas qu'on en a besoin. Je fais une négociation, ça va, ils vont assez bien. Ils vont assez bien. Tout connu, tout constaté des détails, des difficultés avec les négociations. Merci, Mme la Présidente. Député de Framelake? Oui. Je suis content de travailler avec la première ministre. Son cabinet, c'est le fait. Je vais retracer ma question. Les nouveaux mandats ont été formés aux négociateurs depuis que ce cabinet est rentré en effet. Oui ou non? Madame la première ministre? J'essaie de dire, j'aimerais dire oui ou non. Je sais que le député, j'essaie de dire exactement quel était le mandat avant. Je ne savais pas. Ils ont 3 domaines de négociation qu'ils ont. Comme ils ont dit, dans ces domaines, c'est une négociation trilatérale, c'est le fédéral, le Grand Autochtone et nous-mêmes. Des quantités de terre, les redevances et le liquide. Quand ces questions sont soulevées, ils reviennent au cabinet. Ils demandent qu'est-ce que nous faisons et ils leur donnent des instructions. Je pense aussi, Mme la Présidente, je sais que les gens disent qu'ils n'ont pas de mandat, je ne suis pas certain de quoi ils parlent. À ce moment-ci, j'ai dit, il n'y a rien qui spécifie que vous allez faire ceci ou cela. Mais je vais faire une plus ample enquête. Le téléphone break? Non, je ne m'attarderai pas à ça. J'épuise mon temps. Si le ministre ne sait pas si les négociateurs ont affaire de réviser leur mandat depuis que le nouveau cabinet peut faire. Nous avons vraiment un problème.
ces négociateurs n'ont pas reçu de nouveau mandat ou de direction de ce cabinet. Nous sommes un tiers de distance en notre terme. Je m'inquiète sérieusement, j'en reste là, mais je vais parler de mon autre sujet. C'est un avertissement que si nous sommes un tiers de distance, on n'a pas de nouveau mandat, je ne sais pas ce qu'on s'en va. Et je vais parler de la rubrique à propos du fonds pour les réunions autochtones et intergouvernement. On a passé un budget prévu de 300 000 $ Mais nous avons dépensé 600 000 $ pendant COVID. On a dépensé 600 000 $ deux fois le budget. Et maintenant, ça sera 300. Le cabinet continue de signer de nouvelles ententes. On voit des bulletins de presse. J'en ai vu un ou deux dernièrement. Comment est-ce que l'argent peut baisser lorsqu'on signe plus d'ententes et plus d'argent a été dépensé pendant COVID? Maintenant, le budget est moins pour l'année prochaine. Le calcul n'a aucun sens. Est-ce que je crois une explication? Une bref explication. Je vais demander au sous-ministre d'ajouter ce que je veux dire. Il y a un cycle de comment les protocoles d'entente se font. Une année, les grands cons vont se rencontrer à Yonneuf et d'autres fois, on rencontre chez Jésus. Alors, ça fait le budget, surtout en ce qui concerne le déplacement. Je vais demander au sous-ministre d'ajouter à ça. Monsieur le Président, avec ce fonds en particulier, j'ai été un autre fourni directement au gouvernement autochtone pour soutenir leur participation aux réunions. Ça a été reconnu cette année, il y avait une attente, particulièrement compte tenu de l'engagement nécessaire durant la pandémie. Le gouvernement autochtone avait besoin de plus de soutien. Voilà pourquoi il y avait l'augmentation identifiée pour cette période. Si nous trouvons qu'il y a un besoin d'augmenter le budget, certainement on peut revisiter ces besoins. C'était ça le raisonnement pour cette augmentation pour cette période. Merci, Madame la Présidente. Écoutez le frame rate. Je suppose que j'ai respecté, mais ça a été augmenté. Ben, le COVID. Probablement avoir besoin de plus d'argent pour l'année qui s'en vient. Mais je vais rester ça là. Maintenant, je veux l'engagement que le fédéral, le poste des agents de soutien sur le bureau à Ottawa a été coupé. J'étais un peu sceptique de ce travail qui se faisait à la dernière assemblée. Moi, j'ai poussé ça avec le premier ministre, Michael Lourdes. L'important, c'est pas seulement rencontrer que les partis qui pouvaient politique, il y a la majorité de la Chambre commune. Nous sommes maintenant une situation, c'est une grande minorité. Il ne va pas avoir une élection d'ici un an. J'ai attendu du ministre de l'Éducation. Ce n'est pas à lui de parler de l'opposition. Oui, la responsabilité du cabinet, c'est de parler de l'opposition. Lorsqu'ils vont à Ottawa, on ne parle pas seulement parce qu'il y a le pouvoir. Devinez, ils ont un an et demi, ils ne sont peut-être plus en pouvoir. Vous voulez essayer de, si on veut avoir de l'influence sur le politique fédéral, il faut travailler avec les partis d'opposition aussi. C'est eux qui soulèvent des questions dans la Chambre des communes. Je veux entendre le premier ministre directement. C'est quoi notre approche à travailler avec les partis d'opposition dans la Chambre des communes du fédéral? Le protocole au sein de GTNO que les ministres traitent avec l'homologue fédéral, le ministre traite directement avec le premier ministre et les deux des partis, tel que c'était approprié. Oui, les ministres ne se sont pas rencontrés. On ne sait pas qui seront les ministres en position, mais on sait qui vont être les deux, donc j'ai rencontré, j'ai appelé tous les deux de l'opposition. Alors, on va continuer d'avoir des appels pressurés. Chaque parti qui vont présenter leur nom vont comprendre les besoins du Nord et obtenir le maximum d'engagement d'eux. Et sinon, je rencontre régulièrement, je continue à rencontrer régulièrement avec les membres de l'opposition.
ainsi que le parti au pouvoir actuel. Deputy Great Slave. Merci. Premièrement, je vais faire un commentaire que je suis heureuse que le fonds pour les voyages a descendu. Ça, c'est bon. Et aussi, je suis heureuse de regarder qu'il y a une augmentation d'argent pour l'organisation des Métis. La question sur les centres d'amitié. Et j'ai été approchée par les centres d'amitié TNO pour qu'ils demandent que le financement qui continue. Et je pense que les centres d'amitié font de très bonnes choses. Et je ne comprends pas qu'on avait 250 000 en 2019-2020 à rien. Madame la Première ministre, oui, je me souviens à la dernière assemblée. Alors, l'intention de 250 000, c'était pour construire à capacité les centres d'amitié. Le but, c'était qu'ils engageraient le coordinateur et le poste, ça serait pour solidifier des financements. Malheureusement, je ne pense pas que c'est arrivé tellement, mais je peux dire, le centre d'amitié nous a rentré le cabinet. Une de mes inquiétudes, c'est pas seulement donner de l'argent, mais il faut travailler avec eux. Si on leur donne de l'argent, 250 000 pour développer un poste pour faire de la capacité, puis ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut les rencontrer et peut-être donner d'autres soutiens et peut-être faire des propositions des entreprises. C'est plus que de l'argent. Député Great Slave, merci. Oui, je suis d'accord qu'on ne veut pas seulement dire de l'argent et ça ne fonctionne pas, mais aller à 250 000 à rien et les conversations que j'ai eues avec eux, ce n'est pas seulement, c'est difficile pour eux et c'est difficile pour eux de donner les services, mais peut-être le 250 000, c'était une chose, mais ils ont besoin beaucoup d'argent. Et ça affecte leur service, s'il vous plaît, de penser à eux ou peut-être des fonds additionnels, surtout avec la COVID. Et peut-être une autre question, est-ce que le ministère peut expliquer? Alors, si je regarde les événements spéciaux pour les organismes autochtones, alors c'est 50 000 par année. Et en 2019, c'était 27 000. Probablement que l'annulation de certains événements. Est-ce que le ministère regarde comment aller à plus haut que 50 000 pour adapter leurs événements pour un volet virtuel ou pour qu'ils soient sous les consignes de la pandémie? Et je me demande si le ministère peut se pencher sur cette suggestion, Madame la Première ministre. Oui. Alors, il y a deux événements qu'on soutient, les jours autochtones et le jour du traité. Alors, le député a la raison. C'est différent maintenant. Et peut-être cet été aussi, mais le budget est là et il faut être flexible. Alors, je vais les contacter. Il faut être flexible pour travailler avec eux. S'ils regardent des événements virtuels, on va les aider. Le financement, c'est eux qui décident, c'est pas nous. S'ils font l'événement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne les aiderait pas. Député de Great Slave, merci. Peut-être demander même plus si ce financement pourrait pas avoir le jour au lieu d'avoir ces deux événements ou pour que ça soit plus une enveloppe pour tous pour des événements je ne prends pas les bons mots mais
Est-ce que le gouvernement pourrait peut-être pour encourager les gens et mettre des dollars dans leurs organismes, dans leurs événements? Il va falloir voir sur, parce que tous les gens sont fatigués de l'hiver. Déjà, on est seulement le 12 février. Alors, ça va, c'est plus un commentaire, mais merci. Merci. Encore une fois, COVID-19, c'est une situation exceptionnelle. Je suis d'accord avec la députée, il faut être flexible. Ces organismes qui ont pas besoin de tous le financement, oui, on pourrait faire d'autres événements. C'est pour célébrer les Autochtones, les droits, les traités. C'est très important, mais si il y en aura pas besoin, bien sûr, d'autres événements culturels, bien sûr. Alors, député de Hay River South, merci. Alors, je veux parler le financement ou pas de financement pour les centres d'amitié. Oui, j'en ai entendu parler d'eux. Je suis un de leurs députés. Alors 250 000 pour l'édifice, mais on sait que les enjeux qu'ils ont tous les jours, avec le peu de financement qu'ils ont, ils essaient d'étirer ces dollars. Mais on dit, si on ne veut pas qu'ils aient des échecs, mais on parle souvent de ça parce qu'on parle des Autochtones, mais avec COVID, je pense que les centres d'activité, ils ont prouvé, fait leur preuve, 250 000, c'était minime de toute façon. Quelqu'un m'a déjà dit, si vous voulez de l'argent, demandez beaucoup d'argent, vous allez l'avoir. Si vous ne demandez pas beaucoup d'argent, vous ne l'aurez pas. Parce qu'un petit montant, ils ne peuvent pas comprendre. Des gros montants, ils peuvent comprendre. Il faut regarder ici l'organisation pour qu'est-ce qu'ils font. Mais ils donnent des services, pas seulement des personnes autochtones, les personnes dans la communauté. Je ne pense pas que c'est à nous de commencer à leur dire comment utiliser l'argent. Je sais qu'ils doivent faire une proposition, c'est de l'argent du gouvernement, mais ce n'est pas comme s'ils gaspillent l'argent, donner les argents qu'ils dépensent. C'est important à la communauté, aux personnes. Moi, je demanderais à Madame la Première ministre re-regarder ceci à leurs 250 000. Alors, on peut juste envoyer. Ouais, la consultation, on a enlevé le 300 000 pour la rubrique consultation avec les Autochtones. Et ça va être très bien utilisé, j'ai aucun doute pour ça. Et les autres députés aussi sont d'accord avec moi. Alors, je demande, est-ce que le ministère peut s'engager pour donner de l'argent? On a besoin de bonnes nouvelles, surtout des organismes qui font du bien aux gens du Nord. Je voudrais peut-être, Madame la Première ministre, qui commente et dit oui, on va donner de l'argent. Merci, Madame la Première ministre. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute qu'ils donnent des services très valables. Alors, c'est des services exceptionnels et souvent, ils sont plus rentables que nous, les services des GTNO. Alors, il y a une exception. On a un fonds exceptionnel. Peut-être qu'on pourrait re-regarder celui-là puis remettre ça pour les centres d'amitié. Alors, je ne fais pas, je ne m'engage pas, mais je m'engage à re-regarder et voir si on pourrait trouver une solution pour soutenir les centres d'amitié. Merci. Et c'est ça que je l'entends.
au moins vous engager à regarder cela, les centres d'amitié et le travail qu'ils font. Et reconnaissons le travail qu'ils font. Moi, je vais être heureux. Tous les députés ici vont être heureux. Merci. Merci. Alors, si vous êtes heureux, alors pour demander, OK, merci. Et on a je pense qu'on a attendu, qu'on a attendu en principe que les choses se rapprochent. Est-ce que nous avons une date anticipée? Madame la Première ministre, pour chauffer. Sur une débauche, il faut que les choses consultent leurs membres. Il y a un processus qui se passe. Il faut en parler de l'offre qui est présentée. Il faut qu'ils reviennent. Juste à ce fait, juste soit signé. Je crois vraiment que l'autogouvernement, c'est la bonne réponse. Si nous appuyons les autres gouvernements, ça nous aide. En plus, en pas concret, ceux qui ont moins de difficultés, il y a le problème de l'habitation. Mon objectif, c'est de signer durant la période de cette assemblée. Maintenant, je n'obligerai pas le gouvernement autochtone de s'assurer du processus. Basé sur mes échéances, il faut respecter le processus tel qu'il existe. Le pays en North. Basé sur l'expérience du passé, régler les revendications des terres. Est-ce que nous avons une estimation combien de temps ça va prendre pour, une fois que l'entente en principe est approuvée, je sais qu'il y a des variables, si on parle des mois, des années, est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça va prendre de se rendre d'une entente en principe à une revendication réglée? Merci, Madame la Première ministre. Cela, c'est impossible à faire. Pour dire cela, j'ai donné une direction à mon ministère. Les gouvernements autochtones sont à la table. Nous sommes là. On met tout de côté que c'est une priorité. Les gouvernements disent attendez, reculez. On recule. Alors, je ne peux pas donner une chance. Hein. Le petit Yonak North. On s'engage à travailler avec des animateurs indépendants pour régler des questions en cours. Est-ce que nous avons dit combien de ces tables ont des animateurs? Je passe au sous-ministre, M. Gaudin. Merci, M. Gaudin. Nous avons eu l'avantage de certaines animations. Nous avons un processus avec le Denis Soigné. Nous avons certains de succès, nous n'avons pas d'entente de d'autres tables pour utiliser de facilitation. Je pense que c'est un vote de confiance qu'ils préfèrent qu'on se mette à négocier directement avec nous, qu'est-ce que nous avons en place, mais si parti voit une valeur d'avoir des animateurs, nous sommes prêts à faire cela. Docteur Yonak North. Dans l'Assemblée, je poste les animateurs, les personnes qui revisaient les revendications des terres, surtout le rapport à Tom McIsaac. Est-ce que nous avons des tables, est-ce que nous avons demandé des évaluations de chaque parti? C'est une stratégie que ce gouvernement emploie. En présent, on va nous concentrer sur bâtir des relations. Jusqu'à date, non, ça marche assez bien, comme j'ai dit. Le gouvernement dit qu'on ne veut rien faire. Avec vous autres, ils reviennent à la table. La confiance, c'est une importance critique et la croyance dans notre approche est très importante. Nous n'avons pas de travail de groupe spécifique qui travaille à ça, sauf que nous avons le comité autochtone et de réconciliation. Madame la Présidente, vous êtes la Présidente. Une partie de cela
le terme du gouvernement nous donne des recommandations communes pour aller de l'avant. C'est ce que je comprends. C'est à ça qu'on se concentre. Depuis Yonak North, un des autres mandats que nous avons visé mettre à jour et imprimer les principes du territoire pour une nouvelle priorité de mandat au printemps de 2021. On s'attend à ce que ça soit mis à jour et publié. Je vois une qualification de que c'est quoi les principes d'intérêt. Est-ce qu'il y a un document déjà qui décrit nos principes et notre intérêt? Monsieur le Premier ministre. Je passe ça au sous-ministre Martin Goldney. Sous-ministre Goldney. Nous en sommes vraiment de partager cela. Il n'y a pas de collection disponible au public des intérêts qui guident nos négociations. Ce sont des mandats, c'est assurer la confiance du cabinet. L'objectif de cela, de ce mandat GTNO, c'est de mieux faire les affaires pour expliquer au public certains des enjeux, des intérêts qui rentrent en jeu lorsqu'on essaie de régler ces négociations. Donc, l'attente, c'est que nous, ça serait utile pour tous les partis résidents voir quels sont les intérêts pour les négociations qui sont en cours. Merci, Madame la Présidente. Député Yonak North. Je pense que c'est un travail utile d'avoir une vision globale et espérons que cela va affecter les mandats. Est-ce que nous sommes sur la bonne piste pour publier les intérêts et les principes en 2021? Et est-ce qu'ils vont être disponibles au public? Madame le Premier ministre? Oui, absolument. Nous sommes sur la bonne piste. Nous allons pouvoir publier cela selon notre déchéancier. Député Yonak North. Un autre des enjeux que j'entends les gouvernements autonomes des tables de négociation, le développement des principes fondamentaux et objectifs. Et souvent, dans une table d'autogouvernance, les gouvernements autonomes vont seulement avoir du pouvoir, mais ils n'auront pas de standards pour la façon qu'ils exerceraient. Exercerait cette juridiction. Je ne crois pas que ce gouvernement a mis à jour les objectifs et les principes fondamentaux depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a des objectifs de permettre au gouvernement d'obtenir les pouvoirs et ensuite travailler sur les principes fondamentaux et les intérêts qu'ils devront respecter? Donc, je pensais quand j'ai commencé, un des premiers documents que j'ai observé, j'avais des préoccupations moi aussi. Alors, j'ai porté ça à mon personnel. Je me suis demandé, c'est quoi ça? Je reconnais la conversation, pardon. Il y a des différents standards de soins. Est-ce que les enfants ont des droits, des choses comme ça? Je ne me souviens pas des droits fondamentaux que les enfants devraient avoir. Je suis rendu au point, c'était assez fondamental et standardisé. Mais certains gouvernements pourraient être insultés. Si on parle de ça, je sais qu'ils disent des enjeux avec ça, mais je n'ai pas attendu ça personnellement du gouvernement. Nous avons une table multilatérale à l'extérieur du conseil intergouvernemental. Nous avons une table avec tout le gouvernement. Non. Monsieur les injustices, parce que je m'ai engagé, je vais présenter comme un sujet à discussion. Peut-être le moment est venu d'avoir ces discussions. Je peux dire quand, qu'on voit, ce tableau, beaucoup, je suis plusieurs partenaires, et je vais suggérer ça comme un tableau de jour, peut-être Yonak North. Je ne crois pas que c'est nécessairement tour de choses auxquelles on pourrait s'objecter. Les principes fondamentaux, c'est un niveau assez relevé. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a des modèles de programmation qui ne sont pas acceptables. C'est une discussion peut-être qu'on devrait avoir. Après, vous avez l'autogouvernance. Après que le gouvernement ait autant de l'argent et établi le programme, nous devrions travailler avec eux pour assurer que
fournir de l'aide, c'est approprié. C'est pas dans le bon ordre. C'est une condition que nous respections cela pour obtenir du pouvoir. Ma question. Puis je ne suis pas au cabinet, est-ce que nous sommes prêts actuellement donner au gouvernement autochtone du pouvoir d'autogouvernance sans qu'ils acceptent au principe et objectif fondamentalement? Merci. Je dis. Encore là, j'aimerais pouvoir dire oui ou non, mais je crois même président dans cette situation, ça mérite une discussion avec les gouvernements autochtones avant de faire des raisons des deux côtés. Mais je crois que seules les choses sont remises en place. Et je pense que le Canada a le rôle de jouer aussi. Mais je m'engage, je vais réviser cela. Pas tout seul, avec les gouvernements autochtones. C'est une discussion que nous allons avoir durant ce gouvernement. Député Décho. Merci. Je veux appuyer les commentaires de mes collègues sur les centres d'amitié TNO. Je sais dans ma communauté. Alors, ils donnent beaucoup de services. Beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, par exemple, comme des centres de culture et comme, par exemple, les enjeux de COVID, la violence familiale. Oui, il y a, je pense qu'il y a un vrai besoin ici pour y garder de l'emploi dans les petites communautés. Parce que Ils n'ont pas beaucoup de fonds, alors n'importe qu'on pourrait leur donner, ça les aiderait beaucoup. Je voulais faire ce commentaire. Aussi, mon autre question, c'est les événements spéciaux pour le Jour national des Autochtones. Alors, 50 000. Alors, comment ça fonctionne, ça, pour toutes les communautés? Parce que il n'y a pas beaucoup de bandes qui sont dans des bonnes situations financières. Ils ne peuvent pas être l'hôte de grandes célébrations ou qu'ils puissent offrir plus maintenant, même pour avoir une troupe de joueurs de tambour, ça coûte cher. On n'a pas les bons musiciens de tambour parce qu'on ne peut pas, c'est trop cher pour nous. Et il y a d'autres événements qu'on voudrait avoir. Et les prix sont trop élevés. On pourrait augmenter aussi pour aider toutes les petites communautés. Alors, c'est plus un commentaire. L'autre chose, c'est que je ne sais pas, les fonds de dévolution viennent ici ou si vous en avez déjà parlé, mais deux gouvernements, le Clecho et Decho, ne reçoivent aucun financement pour ça. Et je me demande, est-ce qu'on pourrait considérer comme de bonne foi, financement de bonne foi? Parce que vous êtes sur le territoire de Première Nation et vous reconnaissez qu'ils sont les gardiens du territoire et moins de taxes des personnes et peut-être ça aiderait à soulager les liens ancestraux. Alors, pour les gouvernements qui sont hors de la grille de dévolution, Madame la Première ministre, respectueusement, je ne suis pas d'accord que toutes les jeunes joueurs de tambour sont tous excellents
et tous ceux qui font les instruments traditionnels et qui coûtent de façon traditionnelle. Je ne veux pas faire des catégories. Tout le monde apprenne, devienne meilleur. Mais pour l'argent, pour les, comme j'avais dit, les événements spéciaux, alors s'il y a des organismes qui n'ont pas, alors on va regarder ailleurs, bien sûr, et l'argent de dévolution. Alors, Madame la Présidente, j'ai fait un engagement quand j'ai déjà été demandé cette question, que je vais la rapporter à la table du Conseil intergouvernemental. J'ai dit plusieurs fois, je suis seulement une des parties qui s'assoit autour de cette table. Je ne suis pas seule là. Et quand je vais la porter sur la table, je ne dis pas oui, non. Alors, c'est partager l'argent, mais j'ai entendu que les gouvernements qui sont là, qui ont signé pour dévolution, ils ont fait des sacrifices pour faire partie de cette table. Alors, les gouvernements autochtones qui ne sont pas à cette table, ils sont bienvenus à cette table, mais ils doivent signer. Mais ceux qui sont autour de cette table, mais ils m'ont dit qu'ils ne voudraient pas augmenter le nombre de participants. Et alors, je relais leur message ici. Alors, merci. Alors, je n'ai plus de commentaires. Est-ce que d'autres questions? Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Pas plus de questions, on va y aller à la page 126. Les affaires exécutives et autochtones et opérations du gouvernement dépenses 2021-2022, 7 491 000 $. Le comité est d'accord? D'accord. Et maintenant, le résumé ministériel à la page 109. Ministère de l'exécutif, il fait Dr. Ton, dépenses, total du ministère 2021-2022, prévision, 22 428 000 $. C'est comme il est d'accord. Monsieur Vallée. Monsieur le Président, je propose que le comité rapporte à plusieurs concessions de ce ministère pour les prévisions principales. Monsieur le Président. À la motion. Question a été appelée. Tous en faveur. Tous contre. Abstention. La motion est adoptée. Concession du ministère de l'Exécutif des Affaires autochtones. 2021-2022. Budget principal, dépenses, fonctionnement et rapporté. Merci, monsieur, monsieur témoin, pour être comparu devant nous. Sergent, veuillez escorter les témoins de la chambre. Le DG du comité, monsieur Wiley. Merci, M. le Président. Je propose que le Président se lève et fasse un rapport sur le progrès. Une motion pour faire un rapport sur le progrès, motion à l'ordre, non débattable. Tous en faveur. Tous contre. Motion d'adresse. Maintenant, je vais faire un rapport sur le progrès.
Yep. Il était dehors, parce qu'il y a des minutes. Mm. Il était dehors. Mm. Alors? Le rapport. Rapport au comité plénier, député d'Inuit Twin Lakes. Monsieur le Président, au comité, constate le rapport au comité 8-19-2, déclaration des députés du 77-19-2, document déposé 155-166-167-286-19-2. Je fais un rapport de progrès. En option de motion adoptée, Monsieur le Président, je propose que le rapport au comité plénier soit accepté. Merci, M. le Président. Tu n'as pas appuyé, député Winslake, en faveur. Tous ceux contre. Abstention. Motion est adoptée. Troisième mesure du projet de loi. M. Greffier, ordre du jour. Ordre du jour pour mardi, le 23 février, 13h30. Prière, déclaration des ministres, déclaration des députés. Mode bienvenue aux visiteurs. Rapport du comité, subvention pour juin. Rapport du comité permanent spécial. Pense question orale. Mode bienvenue aux visiteurs de la galerie. Reconnaissance, question orale, question écrite, réponse, question écrite, réponse adresse au commissaire, pétition, dépôt de document, avis de motion, motion, avis de motion, première lecture du projet de loi, première lecture du projet de loi, deuxième lecture du projet de loi, constatation du comité plénier, projet de loi d'affaires, rapport au comité 8-19-2, déclaration de ministre 77-19-2, document déposé 165-166-177-286-19-2, rapport au comité plénier, troisième lecture du projet de loi, avis de. L'avis de l'autre jour. Je vous souhaite toujours une bonne fin de semaine. Je pense qu'on a beaucoup accompli. Cette chambre de la journée jusqu'à mardi, le 23 février, à 13h30. À l'ordre. Je ne sais pas si vous regardez le message.